Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle aventure dans l'invisible. Christelle sera bien sûr présente pour me transmettre vos questions et modérer le chat. Et aujourd'hui, nous allons parler de voyage astral. Alors vous savez, c'est un sujet qui me, qui me passionne. Et, et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Romain Clément. Alors si comme moi, vous vous intéressez à tout ce qui se rapporte au voyage astral, vous n'avez pas pu passer à côté des vidéos de la chaîne YouTube Gaia Méditation et voyage astral Gaia Méditation. Euh, Romain, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Philippe, merci à toi, merci à toi pour, pour l'échange que tu m'accordes aujourd'hui ah, sur le voyage astral. Ça va être su... Et bonsoir à tout le monde. Ça va être super, j'en suis sûr. Ah, Moi j'en suis sûr aussi, avec toi ça peut être que super. <laughs> C'est gentil. Bon, Romain, avant de parler de voyage astral, euh, mmh. bon, ça va être évidemment au cœur de notre sujet, je voudrais que tu me parles de toi et de la grande famille de Gaïa. Gaïa Méditation, c'est une aventure familiale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en guise d'introduction Avec grand plaisir. Alors effectivement, Gaïa Méditation, c'est une aventure familiale. Euh, Moi-même, je suis triplé. Et oui, triplé. Et on est cinq frères. Cinq frères. Donc les parents, pour la petite histoire, les parents voulaient une fille. Euh, après, les deux garçons, les, les deux frères, le frère aîné et le frère cadet. Et au final, ils ont eu trois, trois garçons supplémentaires d'un seul coup, des triplés. Et, euh, et puis voilà, depuis tout petit, on a toujours voulu travailler ensemble. Travailler, euh, à la base, on était dans le milieu plus euh, médical. On avait envie de faire un cabinet euh, médical en famille. Et euh, de fil en aiguille, bon, avec mes frères triplés, euh, mon métier principal, c'est euh, le chanteur. Hein. Je chante, je suis dans la musique, je fais de la musique, je compose. Euh, on fait beaucoup de musique pour, pour d'autres artistes aussi. Et en fait, euh, euh, la spiritualité et la science... Euh, euh, Ont on toujours fait partie de notre vie, d'une certaine manière. Euh, du côté de notre père, c'était le milieu le plus scientifique. Et de notre mère, qui est de l'île de Bali, en Indonésie, c'est euh, la partie euh, spirituelle. Et euh, nous, on se retrouve entre les deux. On a dressé un pont entre les deux. Et depuis très longtemps, on s'intéresse à tous ces sujets et on pratique euh, beaucoup de choses, la méditation notamment, depuis de nombreuses années. Et, euh, et on met beaucoup de choses en place dans notre vie, euh, dans, euh, dans un but de développement personnel et spirituel. Euh, et, euh, et voilà, on en est arrivé euh, avec ce, ce projet de faire euh, un site internet, puis euh, la, la chaîne YouTube Gaia Méditation en famille pour partager euh, tout ce qu'on avait pu euh, expérimenter, partager aussi euh, des musiques hein, vu qu'on compose, on compose en différents styles. Mmh mais aussi du coup des musiques euh, de la, pour, la, pour se relaxer, des musiques pour méditer, pour le yoga, pour euh, différentes pratiques au final euh, énergétiques. Et euh, je fais aussi des mantras chantés d'ailleurs depuis peu euh, sur la chaîne. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'est qu née Gaïa Méditation. Donc vraiment un projet euh, familial. Et, euh, et c'est comme ça aussi qu'en passant beaucoup de temps sur, sur YouTube, on t'a on découvert aussi. <laughs> euh, on a découvert ta belle chaîne, on ne vous demande pas d'y croire. Ah ouais, c'est très gentil. En tout cas... Euh, et le voyage astral alors Et le voyage astral, alors quand est-ce que. Euh, bon, déjà, donne-moi ta définition du voyage astral, je suis curieux de, de la connaître. Hein. Alors, je vais parler tout de suite. Bon, alors je parle de voyage astral effectivement, parce que c'est l'expression communément ah ouais. euh, utilisée en France. Euh, à vrai dire, en ce qui me concerne, j'utilise beaucoup plus souvent euh, le terme la phase. La phase qui est une, une expression de Michael Raduga, mmh. qui est l'expert russe dans le domaine, qui fait beaucoup de sortir du corps, rêve lucide, etc. Voyage astral, y compris. Et, euh, et ce terme englobe un peu tous ces états modifiés de conscience qu'on dit non ordinaires. Alors, effectivement, pourquoi j'utilise ce terme C'est parce que j'adhère euh, vraiment totalement, ou du moins à, en grande partie, à, à, à ce terme qui est utilisé par Michael Raduga. Donc, on parle d'état de phase. Et c'est aujourd'hui, depuis, euh, depuis à peu près un an, reconnu par la communauté scientifique. Ce terme, la phase, est reconnu et est utilisé dans les, dans les articles publiés dans les revues scientifiques. Donc, le voyage astral, euh, c'est une expression qui est, qui est utilisée depuis très longtemps parce qu'on parle d'un corps astral qui voyage euh, souvent la nuit, d'ailleurs. Et euh, ce corps voyage même quand on rêve. Mais, euh, mais lorsqu'on lorsqu parle d'un voyage astral, on est conscient de ce voyage. Donc, je disais, en ce qui me concerne, j'utilise plus l'état de phase parce qu'on va voir euh, au cours de, de cette émission que la frontière entre tous ces états, finalement, elle n'est pas très, très grande. Mmh. Entre le rêve lucide... D'accord. Je sais que tu as eu euh, récemment oui. une invitée de Marc oui, oui. Claire euh, qui a parlé du rêve du et que j'aime mmh. beaucoup. Et euh, la sortie hors du corps et le voyage astral. Donc, la sortie hors du corps, c'est une expérience dissociative de sortie. Et bien souvent, on parle de sortie du corps quand on est dans un environnement qui ressemble encore à l'environnement physique. Mmh. Le voyage astral, c'est euh, qu'on commence un voyage et que d'un seul coup, on se retrouve dans un environnement qui n'est pas connu. On parle souvent d'une oui. dimension ah oui. à autre. D'un autre décor. À dimension à chaque fois. Nécessairement, le voyage astral, c'est euh, le voyage dans d'autres dimensions ça on parle de la dimension de l'astral qui est un plan euh, un plan où, où l'émotionnel en fait euh, s'exprime euh, totalement c'est à dire que c'est un miroir de notre état émotionnel en grande partie bien sûr euh, tout ce qui va se produire n'est pas uniquement lié à nos émotions et c'est là que mon expérience et l'expérience de, de nombreuses autres personnes vont confirmer d'autres choses c'est qu'au delà des projections des émotions qu'on va retrouver lors du voyage astral on va aussi retrouver, et euh, c'est très intéressant. Par moments, des informations, mmh. des informations, des messages, et faire des rencontres avec euh, avec des êtres, on peut les appeler comme on veut, des guides, des anges, des des euh, parfois des défunts. Et, euh, et la nature de ces informations va être troublante, troublante, et parfois vont même euh, de, être très puissante jusqu'au point de changer la vie des personnes qui vivent ce genre d'expérience. Et, euh, et parfois, ces, ces informations sont même de nature prémonitoire. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si on était uniquement dans une projection de nos émotions ouais. dans le présent, effectivement, bah, d'où viennent ces informations Ces informations sont, sont aussi vérifiées. Donc, il y a plusieurs aspects, hein, je vais rentrer plus en détail tout à l'heure, euh, par rapport à la sortie du corps de manière générale. Et puis les expériences de sortir du corps, hein, ça regroupe aussi euh, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, qui sont des sorties mmh. d'une autre nature. Mmh. Donc il euh, y a plein de types de sorties. Et là, je, on, ce soir, on parle de voyage astral, mais finalement, on va parler de, des états mmh. de phase, euh, très globalement. Alors, quand, quand on va dans une autre dimension, un, qu'on change complètement de phase, est-ce que euh, les... Alors, je vais, je vais imaginer ce que je vais dire, mais ben pas imager, mais je vais peut-être euh, prendre des raccourcis. Est-ce que les personnes, que, les guides, ou ne sais pas, les personnes que tu rencontres dans cet état de phase ont une existence physique pour eux Est-ce que pour eux, ils peuvent tenir des objets Est-ce qu'ils est qu ont une vie comme, comme la nôtre Est-ce que c'est une autre dimension, mais qui ressemblerait à la nôtre si on avait la même vibration, tous C'est très intéressant ce que tu dis. Bien souvent, on parle du fait que ces êtres sont soi sur ce plan astral, et c'est un plan où finalement on appuie la barrière du corps physique et biologique, hein, le corps biologique tel qu'il est euh, tangible, euh, qui serait finalement une forme de densification de, de, la, de la conscience, et euh, on est dans une forme libérée de cette, cette densité. Pour autant, euh, on, va, on va continuer à percevoir d'un point de vue sensoriel tout un tas de choses. On va pouvoir ressentir le toucher, par exemple, on va pouvoir. Sentir des odeurs si on, si on, on, on prend le temps de, de, de vivre cette expérience, on va entendre beaucoup de sons, de musique, etc. Donc, d'un point de vue sensoriel, on va continuer à percevoir tout ça. Mais euh, de savoir si euh, les, les êtres qu'on rencontre ont ces mêmes perceptions, ces mêmes sensations, ça va être différent. Par contre, quand ils nous enlacent, nous, on le ressent du moins que cet être nous enlace. Alors, c'est intéressant, finalement, on est euh, sur un autre plan vibratoire. On dit souvent qu'on est dans un plan subtil. Mmh. On parle de, de, de corps subtils, finalement, qui sont un peu plus élevés. Et du coup, d'un point de vue euh, sensoriel, il est difficile de définir si ces êtres ressentent la même chose. Mmh. Notamment, euh, alors on y croit ou on n'y croit pas, mais par moment, il peut y avoir de, des êtres de nature, je dis extraterrestre, c'est des, euh, des êtres qui viennent d'ailleurs. Qui, qui, qui peuvent intervenir dans, lors de ces sorties. Et, euh, et ce qu'on dit, hein, c'est des on-dit, encore une fois, je n'ai rien, strictement rien pour le vérifier, c'est que d'une certaine manière, ils vont s'ajuster à cette fréquence. On peut parler d'un plan vibratoire, donc il suffit de s'accorder à la même fréquence pour accéder à ce plan. C'est pour ça qu'on parle de rencontres aussi avec des défunts, mmh. notamment. Et on, on va voir, on pourra rentrer plus en détail en fonction des questions qui vont être posées, de savoir si euh, il s'agit réellement de l'âme d'une personne ou si il s'agit plutôt de, de l'information euh, énergétique voire karmique de, de cette âme qui reste et avec laquelle on va communiquer. Mmh. Et à ton avis, il y a plusieurs euh, plusieurs parallèles, je sais pas monde parallèle monde plusieurs fréquences différentes euh, et est-ce qu'elles sont un nombre limité ou euh, ou alors il y en a bah, je sais pas, il y, en a, il y en a il y en a sept et puis voilà ça s'arrête là alors, effectivement, il y, y a beaucoup de personnes qui vont parler de sept plans. Euh, de mon côté, je ne vais pas parler de, 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 de sept plans, de, de me limiter à ce nombre alors de plans. Dit sept, mais je pense dit que... j'ai dit au hasard, attention. Hein. Oui, je sais, oui, mais effectivement, mais tu sais que tu le dis au hasard, mais il n'y a pas ah, de y a, y a <laughs> chose qui me a dit. Il n'y a pas de hasard, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui parlent de, de, des différents univers des, euh, des, et de sept univers, d'ailleurs. Il y a des personnes qui, ont parlé, qui disent qu'il y en a deux, il y en a d'autres qui disent même qu'on a deux univers principaux, etc. Je ne suis pas euh, dans, dans toute cette explication. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que chacun, on a tous euh, une porte d'entrée dans cet état. Et dans cet état, il y a des choses qui sont vraiment euh, propres à notre conscience intrinsèque et la conscience commune. C'est-à-dire que, euh, comme je disais, c'est le miroir de notre état émotionnel avant d'avoir euh, une projection. Le film de d'autres personnes, de leurs émotions, on va avoir déjà notre film. Donc déjà en ce sens, on peut dire que en fonction de la fréquence dans laquelle on se trouve, qui nous est propre, on entre déjà dans un monde entre guillemets qui est accordé à cette fréquence. Donc, euh, c'est plus des... des, des on, je vais en parler vraiment en termes de fréquence. Presque, on, imaginons qu'on parle de, de, des chaînes hertziennes. Il y a tout autant de chaînes qu'il y a de, de, de fréquences. Tu vois, mm. on, on passe ou à la radio, tu passes sur 101.9, tu changes de, de station radio, d'émission, et tu passes à une autre fréquence. Donc, euh, c'est plus dans ce, à ce niveau-là que je résonnerais. Et toi, tu, quand tu voyages, tu choisis ta fréquence, ou alors c'est le hasard, c'est ta fréquence... Euh... C'est toi qui vibres d'une certaine façon et, et puis euh, tu vas où, où la fréquence la, ta propre fréquence t'amène. Alors voilà, il y a un critère qui permet de déterminer si je choisis en quelque sorte ma fréquence, c'est l'intention. Si je fais une sortie, euh, une sortie hors du corps ou un rêve lucide, euh, voyage astral non délibéré, ça va correspondre bien souvent à l'état émotionnel, mmh. l'état vibratoire pas que émotionnel, l'état vibratoire dans lequel je me trouve. Pourquoi je dis aussi pas que émotionnel C'est parce qu'en fonction aussi de notre ouverture à certains niveaux, certains parleront des, 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 des roues énergétiques, des chakras, etc. Il euh, y a des choses qui vont faire que on, le canal, entre guillemets, l'antenne qu'on est, hein, on est à la fois émetteur et euh, récepteur, l'antenne va, euh, va être plus en mesure d'ajuster certaines intentions. Donc, par moments, de manière non délibérée, on va capter euh, des choses, il y a plusieurs personnes qui en témoignent aussi, où pendant toute un, une période de notre vie, pendant un mois, on va faire tout un tas de rêves lucides très puissants, ou alors des sorties du corps où la nature des messages de ce que l'on vit, des mondes que l'on traverse sont, euh, sont vraiment très curieux, très intéressants. Et, euh, et par des moments, on traverse des, des périodes où euh, les rêves vont être plus simples, entre guillemets, où on, on se rend compte qu'on est en train de rêver, on se met à voler, hein, comme Claire en parlait euh, dans, dans ton émission récente, ou euh, une sortie du corps, on sort et on se retrouve dans un environnement qu'on connaît. On va avoir parfois des difficultés pour passer à travers les murs, euh, des difficultés où on sent une forme de, de résistance pour pouvoir vraiment se libérer de tout ça. Et par contre, il y a les sorties délibérées. Et c'est là tout ce que. C'est là que, que tout le travail que je fais derrière la, la formation, notamment que, que j'ai mis en ligne récemment, entre en jeu. C'est que je vais aider par différentes techniques, euh, je vais aider les personnes à pouvoir calibrer leur intention et surtout euh, pouvoir maîtriser, entre guillemets, beaucoup plus la, la sortie qu'elles vont faire. Mmh. Donc, euh, c'est l'intention de départ qui détermine la fréquence dans laquelle on va se trouver en partie. Pourquoi je dis en partie C'est qu'une personne qui a l'intention. Je vais donner un exemple. Euh, avant de se coucher, donc, euh, on fait un protocole qu'on appelle un plan d'action. Ce plan d'action, on va déterminer à l'avance ce qu'on a envie de faire en quelques lignes. Ça veut dire les points importants, les points les plus motivants, qui vont générer une énergie suffisamment forte pour qu'au moment de la nuit, quand on va effectuer certaines techniques, euh, l la motivation va l'emporter sur l'envie de dormir. D'accord? Parce qu'on doit vraiment flirter, hein, on n'en a pas parlé non. encore, mais on doit flirter avec euh, le sommeil paradoxal qui est, euh, qui est vraiment l'état propice pour vivre, vivre ce genre d'expérience et donc à ce moment-là, l'intention, elle est très importante, à, à définir. on va la définir. en quelque sorte, on va commencer à se tuner à, à, à choisir la station. maintenant, au moment de la sortie, par moment, il y a des imprévus, des choses qui peuvent arriver. Euh, ça peut être on ne se retrouve pas à l'endroit désiré pour certaines personnes et ça arrive. Hein, la peur de l'inconnu, la peur de Parfois la peur de la mort, c'est des personnes qui ne sont pas forcément prêtes. C'est pour ça qu'on parle d'être prêt quand on parle de vivre ce genre d'expérience, c'est que certaines personnes sont vraiment chargées en peur, en peur inconsciente, en stress inconscient aussi. Et ce qui fait qu'arriver à ce moment-là, on ouvre une porte. Et si la, la personne est chargée en peur, en stress inconscient, on peut dire que c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. C'est que d'un seul coup, tout refait surface et on peut être amené à vivre les fameuses paralysies du mmh. sommeil. Euh, je ne sais pas si tu, tu, tu en as déjà vécu, si tu en une seule as déjà parlé de ça. Une seule fois, oui, j'en voilà. ai parlé d'ailleurs avec Claire aussi et euh, ouais, 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 moi, j'en ai, ai vécu une seule euh, qui m'avait un peu angoissé, je t'avoue. Euh, C'est ça. Mais il y a assez longtemps, donc je me souviens, souviens de cette angoisse, mais je ne me souviens plus trop de, de cet état, en fait. Mais bon, on m'a dit que c'était un petit peu le départ aussi vers le voyage astral, donc euh, je dis... C'est même, pour moi, un voyage... Un voyage qui, est déjà, qui a déjà commencé, oh, mais qui fait que la, la personne, par ses. Euh, euh, alors, il y a des aspects physiologiques, hein, effectivement, au moment du sommeil, sans, sans entrer trop dans les détails, mais il y a une forme d'atonie musculaire qui est déclenchée. Hein, C'est une information qui circule jusqu'à la moelle épinière pour dire sommeil paradoxal égale, euh, le corps doit rester immobile pour, euh, pour euh, bénéficier du repos nécessaire durant cette phase-là. Euh, lui, au niveau du le cerveau, euh, au niveau des, des ondes cérébrales, on peut observer qu'une grande partie des ondes cérébrales sont en état d'état, l'état hypnotique, l'état hum, de l'imagination aussi. Et d'un seul coup, on sort du sommeil paradoxal, c'est pour ça qu'on n'est plus dans le sommeil paradoxal, on est entre les deux, on flirte entre les deux, il y a une grosse activité du lobe frontal, euh, la partie créatrice, et, euh, et cette activité va monter énormément. Et, euh, et donc, le, 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 la paralysie du sommeil, c'est quoi C'est qu'il y a des mécanismes qui font qu'on est conscient, on est vraiment conscient, mais on est conscient de notre corps physique à ce moment-là. Alors que dans la sortie, on arrive à se détacher de la, totalement de la conscience, on arrive à la détacher totalement du corps physique. Euh, je ne sais pas si c'est assez clair hein, ce que je suis oui, en train oui, dire. C'est clair, clair, mais euh, c'est difficile donc, à imaginer. Souvent, Attends, on l'imagine, mais c est, c est ça. tant qu'on ne voilà. l'a pas vécu, à mon avis, euh, on se dit ouais, c'est extraordinaire quand même. C'est ça. Et ce qui nous ramène donc au corps, souvent, ça va être des, des peurs. Alors parfois, il y, y a des états de fatigue profond, les états de fatigue profond qui font que on, on parle, on commence à parler à ce moment-là de troubles de, du sommeil temporaire. Ces états de fatigue profond, bien souvent, ça provoque la paralysie du sommeil et 30% de la population mondiale l'a vécu au moins une fois dans, dans, dans sa vie. Donc euh, à ce moment-là, euh, souvent, ça peut être la peur de l'inconnu, la peur de la mort. Et surtout, il faut savoir, je te disais tout à l'heure qu'on est dans un état hypnotique. Enfin, en 70% des ondes cérébrales correspondent à, à l'état hypnotique, donc theta. La moindre peur agit comme une induction. Donc, imagine, tu te sens comme ça, euh, immobilisé, euh, paralysé. La peur qui commence à naître va amplifier encore plus. Donc, tu vois, c'est là-dessus qu'en fait la personne, elle va vouloir essayer de lutter et elle va se retrouver encore plus paralysée. Donc, euh, une technique de base, hein, la, la, la chose euh, primordiale à utiliser, c'est d'essayer de se relaxer de lâcher prise, de ne pas essayer de, de sortir à tout prix, sauf si on sent vraiment qu'on est à la limite, et on se relaxe. Et bien souvent, on fait l'induction inverse, du coup. Le fait de se relâcher fait qu'on va commencer à ne plus sentir cet état de paralysie. Et après, il y a toutes les techniques que j'enseigne. Mmh. Euh, voilà, je pourrais en donner quelques-unes pour les personnes que s'intéressent, pour les personnes qui vivent ça, pour amorcer la sortie à partir de là. Mmh. Et avant, avant, le, avant, de en, avant de partir dans l'astral, avant de partir dans une nouvelle phase, c'est comme ça que tu le dis euh, oui, il doit partir, entrer dans l'état de phase, euh, ouais, entrer dans la phase. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu imagines Tu imagines, euh, vous, enfin, tu imagines ouais, partir dans un endroit spécial, euh, tu imagines aller sur une planète, tu imagines aller rencontrer quelqu'un. Qu -ce que C'est intéressant parce que souvent, ouais, effectivement, on, on pense qu'amorcer euh, la sortie, on l'amorce par l'imagination. Hmm. Maintenant, je ne dis pas que c'est inutile, hein. l'imagination fait partie des techniques qui vont aider à créer l'expérience. Par contre, on peut totalement se, euh, enlever l'imagination par de simples techniques hein, sensorielles euh, qui vont faire appel à finalement des zones cérébrales, encore une fois, euh, différentes zones du, du cortex cérébral qui correspondent à différents sens. Comme le, celui de la vue, le cerveau euh, euh, occipital, le lobe occipital. Euh, il y a différentes parties qui vont être euh, plus propices à ressentir les, les, les sensations vestibulaires, la rotation, etc. D'autres, le toucher. Et en fait, on va partir, et c'est là qu'est qu gros, le gros amalgame qui est fait bien souvent, c'est qu'on va partir des perceptions, de ce qu'on ressent. Tu vas voir, c'est. Souvent, les personnes se disent « je vais commencer par exemple à méditer, je vais essayer de rentrer, euh, amorcer le voyage astral de cette manière ». Alors, ça peut marcher, mais on va faire des tentatives et des tentatives bien souvent pour y arriver. On va nourrir une frustration quand on n'y arrive pas et ça va être un frein à notre pratique. Donc, la personne va essayer de visualiser qu'elle veut aller sur la Lune. Je te mmh, donne ouais. l'exemple parce que c'est un truc assez courant. Hein. J'essaie de visualiser la Lune d'une certaine manière et j'essaie d'y être. Le problème derrière, c'est qu'à un moment donné… On va être encore dans notre corps, il y a une démangeaison par-ci par-là et le mental entre en jeu. Là maintenant, les techniques qu'on utilise, on les utilise souvent aux abords du sommeil, euh, notamment la méthode indirecte pour les personnes qui ont suivi les vidéos sur la chaîne YouTube. C'est une méthode qui est utilisée et, et, euh, et là-dessus, on va se servir des phases, des phases du sommeil. Donc, on va faire les choses de manière plus intelligente, plutôt que de lutter à amener notre état cérébral, l'état bêta, l'état conscient éveillé, à cet état-là. L'état de d'imagination, on va profiter d'un réveil nocturne par exemple, mmh. où on va émerger directement dans cet état. Donc, bien souvent, dans les premières secondes, sans le savoir, et c'est là que un secret, c'est au final qui n'est plus un secret, c'est qu'on est souvent déjà dans l'état de phase. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se réveille, on émerge, on est entre les deux. Bien souvent, il euh, y a une étude qui a été faite dans un, dans un centre du sommeil. Ils ont montré que quasiment 30% des mouvements que l'on pense faire dans la nuit, par exemple euh, en dormant, sont des, des, des mouvements que l'on perçoit mais qui ne sont pas faits par le corps physique. Et c'est fort parce que ces personnes ont été filmées et à chaque fois qu'on leur demande euh, est-ce que vous avez beaucoup bougé, oui je me souviens j'ai bougé à gauche, à droite et tout oui. ça. Et on voit que ce qui a été filmé ne correspond pas. Ah ouais. Donc euh, voilà un exemple tu te réveilles tu te dis je, je change de position et ben bah, parfois à 30% des cas on ne change pas réellement de position. Mmh. C'est le corps dit astral qui est en train de bouger. Donc, on se sert de cet état du sommeil où on se réveille, on est déjà dans cet état. On va effectuer certaines techniques qui vont, qui vont correspondre à, à, aux sensations recherchées. La rotation, par exemple, ou la sensation du toucher. Et à partir de là, quand on détecte cette perception et qu'on la ressent, on peut amorcer la sortie par des techniques très simples d'amplification. Ah. Et l'imagination, donc, à ce moment-là, on peut l'utiliser si on veut s'aider à rentrer dans un décor, mais bien souvent, tu peux imaginer que la Lune ressemble à une certaine chose. Moi, ça m'était arrivé euh, plusieurs fois. Je, je me dis, bon, concrètement, tu me dis, je vais sortir sur la Lune, j'imagine que je vais sortir sur la face éclairée. Ça, c'est mon imagination. Et, et, euh, et au, du point de vue des faits, là où je suis sorti, je suis parti dans la, dans la, du, dans le, la phase sombre de la Lune. Donc, tu vois, c'est pas pareil. D'accord. Et euh, alors, tu. Quand tu quand tu as l'impression d'être réveillé pendant la nuit, c'est que l'impression. Donc, enfin, tu crois que tu es réveillé. C'est là que c'est là que tu te donc tu t'induis avant, tu, tu, tu te fais une sorte d'induction, je sais pas comment comment dire ça, et ça, pour te dire à partir de ce moment-là, je vais essayer de partir, de sortir de mon corps. D'accord il Co comment... y, y a les inductions avant de dormir Alors, avant de se coucher ça c'est pour préparer vrai. un peu se préparer au niveau de la nuit là je vais parler de la méthode indirecte qui est la méthode la plus efficace vraiment pour moi hein. ouais. c'est même d'un point de vue statistique donc on le fait avant de se coucher ça c'est juste pour commencer à se préparer et avoir défini à l'avance ce qu'on veut faire on va dormir on va dormir un laps de temps suffisamment long on parle de 5 6 heures 7 heures selon les personnes pour que déjà dans un premier temps on bénéficie de suffisamment de le sommeil lent le sommeil récupérateur pourquoi? C'est qu'à ce moment-là, ensuite, on va se réveiller, parfois à l'aide d'un réveil. Donc, c'est la méthode ah. qu'on appelle différée. Hein. J'en parle plus en détail dans la, dans la formation. Et cette méthode, à ce moment-là, on va se réveiller. On va rester éveillé un laps de temps qui peut varier entre 3 minutes à 50 minutes en fonction des personnes, en fonction de notre capacité à nous rendormir par la suite. Et dans ce laps de temps, savoir qu'on est dans, au niveau des ondes cérébrales, on a encore énormément d'ondes cérébrales θ. On vient de sortir du sommeil, d'un sommeil récupérateur. Et on va commencer à être conscient. Donc là, qu'est-ce qu'on fait C'est à ce moment-là que l'induction mmh. est la plus importante. On revoit le plan d'action et on retourne se coucher, cette fois-ci avec l'intention qu'à chaque réveil consécutif qui vont suivre, on va effectuer certaines techniques pour sortir. Et donc, pourquoi je dis à chaque réveil consécutif Cette interruption volontaire va accentuer ce nombre, euh, les petits réveils. Okay. Euh, bah, voilà, les, réveils qui vont les faux réveils, là, en fait. Voilà. Parce Alors, que on peut parler une, de faux Ce pas une envie de faire pipi ou. Quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir une envie de faire pipi. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, euh, bien souvent, ça, ça dépend d'une personne à l'autre, avec les cycles du sommeil. Bon, là, je n'ai pas le petit schéma euh, à te montrer, mais euh, on va passer la première partie de la nuit beaucoup de temps dans le sommeil lent. Donc, le sommeil euh, profond, on descend stade 1, stade 2, stade 3. Même, on parlait avant de stade 4, mais maintenant, on a regroupé le 3 et le 4. Ensuite, au bout d'une heure et demie, grosso modo, on parle d'un cycle hein, qui dure à peu près euh, une heure et demie, on va redescendre un peu moins profond, et puis on va remonter. Et à la fin de la nuit, on arrive et on ne descend plus dans, le, dans les stades 2-3. On reste quasiment une grande partie, au bout de 7-8 heures de sommeil, dans le sommeil paradoxal. Et c'est pour ça qu'au petit matin, souvent, les rêves, les rêves sont les plus vifs. Mmh. On va se souvenir ouais. énormément des rêves. Ça ne veut pas dire qu'on rêve pas dans les autres phases, mais les rêves de cette nature du sommeil paradoxal sont beaucoup plus vifs, bien souvent. Mmh. Et donc... Comme on remonte, ce qu'on ne sait pas, c'est que régulièrement, on vient se réveiller. Et ce réveil, euh, c'est un réveil euh, inconscient, hein, euh, qui va être perçu par les personnes. Parfois, je dis, je me réveille, je change de position. Et par moments, on flirte à peine et on, on se rendort directement. Donc, on n'en est pas conscient. Mm -hmm. okay. Le fait d'avoir fait l'interruption du sommeil juste avant fait qu'on va être beaucoup plus conscient ouais. de ces micro-réveils. On parle vraiment de micro-réveils qui existent chez tout le monde euh, dans les phases du sommeil. D'accord. Et cette, cette méthode, est-ce que c'est une méthode que tu as découverte par toi-même ou c'est une méthode qui existe euh, Parce que même, ben comme toi, j'ai euh, interviewé Marco Byrne et il ne m'a pas parlé de cette méthode. Maintenant, euh, Marco, Byrne, Marco Byrne, lui, est, comme moi, à l'époque, hein, pendant des années, on a vécu des, des expériences non délibérées. C'est-à-dire qu'on ne le choisissait pas directement. Après. On disait le choisir, mais en fait on le choisissait avec l'induction qu'on mettait avant de se coucher. Et euh, par chance, par, nos, par une, une, une aptitude euh, plus développée à ce moment-là, euh, comme un entraînement, à force de s'entraîner, bah, ça devient plus euh, inné hein, chez, chez nous. Et eh ben, le, le simple fait d'avoir cette intention avant de se coucher euh, faisait qu'on déclenchait des sorties spontanément, beaucoup plus euh, spontanées que chez d'autres personnes. Maintenant. J'avais remarqué, moi, effectivement, je l'ai pas découvert. Donc, je dis toujours, n'ai pas inventé cette méthode, mais j'avais découvert avant de découvrir qu'elle existait déjà, euh, qu'à chaque fois que je me réveillais dans la nuit, par exemple, pour aller soulager la vessie et que je me recouchais et que je commençais à penser à quelque chose, je plongeais dans un rêve induit. Alors, je parle pas de rêve lucide, je parle d'un rêve induit. Par moment, je devenais lucide dans le rêve. Donc, rêve induit, ça veut dire que tu induis un rêve, tu penses à quelque chose et tu plonges en rêve qui correspond rêve lucide, tu deviens lucide dans ce rêve que tu as induit, et après, par moments, je déclenchais une sortie hors du corps. Donc une sortir du corps, je sortais, euh, voilà, ça dépendait si je pensais à quelque chose d'élevé, si je pensais à, à je ne sais pas moi, à, à, à une âme, à un défunt ou autre. Hein. Et donc à ce moment-là, ça déclenchait les sorties. Donc j'ai remarqué que dès que je me réveillais dans la nuit, spontanément, derrière, j'avais beaucoup plus d'épisodes de, de phase naturelle. D'accord. Maintenant, j'ai découvert... Euh, ça, avec Michael Raduga, notamment, il y a, il y a quelques années, cette méthode indirecte qu'il appelle indirecte. Et lui-même, hein, il le dit euh, dans, dans son livre, il en parle. C'est méthode, des méthodes qu'on retrouve dans le yoga du rêve tibétain. Ah ouais. Donc, finalement, ça remonte à très, très longtemps. Euh, et bizarrement, la, la science, elle, s'est limitée aujourd'hui dans, dans la plupart des articles scientifiques qui sont parus dans, dans, dans les revues scientifiques, ne traite que des méthodes pour induire les rêves lucides et pas euh, la sortir du corps euh, alors que ces méthodes existent aussi depuis très longtemps. Mmh. Et c'est seulement depuis peu, hein, on va parler de, de même pas cinq ans, hein, que ça commence à, à, à ressortir. Et, et c'est là que, avec toutes les méthodes, hein, je peux t'en te, parler comme ça, mais il y a énormément de, de réussite derrière, qu'on soit d'ailleurs dans une démarche spirituelle ou pas. Mmh. Ça c'est vraiment le truc flagrant. Une personne qui n'a jamais médité de sa vie peut le vivre. Par contre, et ça c'est moi, c'est moi qui qui, qui va mettre, émettre ce conseil. Je dis toujours, ça sert à rien de vouloir juste vivre l'expérience pour juste dire j'ai vécu un truc fun. Je vais raconter derrière que j'ai vécu ça. Derrière, il y a quelque chose de tellement puissant. C'est vraiment pour moi un, un outil puissant d'éveil. Et que et si, si on arrive à l'utiliser en conscience on va pouvoir s'en servir pour de, de grandes choses. On va en parler tout à l'heure, les différentes applications. Mmh, ouais. Mais si on le fait sans intention, encore une fois, bah, ça veut dire que c'est comme si on était dans un bateau, on arrive en pleine mer, mais on ne choisit pas de cap et pas de destination. Donc d'un seul coup, on, va être, on peut être soumis au remu des vagues et subir un peu ce qui peut nous arriver, parce qu'on n'est pas prêt à ça. Mmh. Est-ce que nécessairement, tu passes par le rêve lucide pour arriver au voyage astral, ou alors tu peux directement sortir de ton corps et exactement on peut sortir directement de notre corps le rêve lucide est une porte d'entrée pour le vivre euh, mais euh, il n'est pas du tout obligatoire de vivre de passer par le rêve lucide pour vivre la sortie du corps et d'ailleurs au passage beaucoup de personnes qui amorcent la sortie justement par manque de connaissances de techniques pour s'y maintenir parce que c'est beaucoup plus difficile de se maintenir dans une sortie que d'en revenir ça c'est la peur générale on dit mais j'ai peur de pas pouvoir revenir j'ai peur de mourir il est beaucoup plus difficile de rester longtemps dans une sortie que d'en revenir pour rester rester là-haut enfin, reste... on appelle ça les, les, les méthodes de maintien les méthodes d'approfondissement mais toutes ces méthodes ne vont pas te permettre de rester indéfiniment quoi qu'il arrive on remarque que ça permet de maintenir la conscience de l'expérience le plus longtemps possible et ça va éviter de plonger involontairement dans un rêve lucide qui peut se transformer en rêve derrière ouais. et euh, c'est pour ça que des personnes derrière vont vivre une sortie elles ont sauté l'étape primordiale du plan d'action que que je mentionne constamment et sans cesse avoir une idée précise du, du plan à accomplir, des actions qu'on souhaite accomplir avant, ça peut être euh, rencontrer euh, un guide, ça peut être, euh, ça peut être tout simplement je veux voyager à l'autre bout du monde, on dit un pays, je veux aller, je sais pas moi, en, en Tahiti, ça va être euh, je veux influencer ma santé, ma physiologie, je veux guérir de quelque chose, hein, parce que ça, je pourrais en parler ouais. tout à l'heure parce que c'est vraiment quelque chose que les personnes euh, mettent de côté totalement, ne sont même pas conscientes qu'en fait, pour moi aujourd'hui, c'est l'un des plus gros, euh, des choses les plus importantes à savoir par rapport au voyage astral à la sortie. Mais justement. Du coup, un peu comme les voyages chamaniques. Parlons-en maintenant, la... parlons-en de suite. À quoi sert, à quoi sert le voyage astral À part, à à part de... et avoir un kiff voilà. euh, énorme. Alors, de manière, je vais aller d'abord de, de manière générale, puis ah, je vais rentrer en bah détail. Oui. La manière générale pour moi, c'est personnel, mais je pense que ça doit être comme ça pour beaucoup de personnes, c'est déjà de prendre conscience qu'on n'est pas juste un corps biologique. Ah, oui. Déjà, déjà c'est la première fois. Vivre ce type d'expérience, c'est ça. Ça va, ça va forcément ouvrir la conscience, du moins, prendre conscience que notre conscience n'est pas juste euh, ouais. dans le corps physique, n'est pas juste ce corps physique, et, et qu'il y a quelque chose d'autre. Ça, c'est pour moi une première étape. Et pour certaines personnes qui sont très ancrées dans la matière pendant longtemps, c'est des expériences parfois très bouleversantes et qui vont, euh, qui vont euh, les faire changer totalement de, de cap. Hein. Changer de métier parfois, changer de vie. Ça, ça peut faire de gros, de gros bouleversements. Comme pour les personnes ça, qui vivent des bien... DE Exactement. La n est encore souvent plus puissante. Elle est surtout inattendue. C'est-à-dire que souvent, une mort imminente, on ne choisit pas de mourir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un accident bien souvent qui déclenche tout ça. Et la personne se retrouve dans une expérience magnifique d'un point de vue. C'est comme s'il y avait un continuum dans toutes ces expériences, ces états modifiés de conscience non ordinaires. Il y a le rêve lucide, la sortie du corps, voyage astral, et l'expérience de mort imminente qui est qui a un état encore, d'un point de vue vibratoire, encore plus élevé quelque part. Et donc du coup euh, derrière je disais il y a ce continuum donc une personne euh, qui va vivre euh, ce genre d'expérience va avoir une vision plus large de sa, dans sa vie prendre conscience que euh, de l'impact de ses pensées par exemple parce que dans cet état tu es créateur tu, hein, tu attires des choses tu vas comprendre que dans ta vie finalement c'est la même chose. Ensuite euh, je vais je vais parler de, de quelque chose qui est qui est pour moi très important et ça ça va vraiment ouvrir beaucoup de, de ça va ouvrir la porte à de nombreuses recherches euh, c'est l'impact sur la physiologie, sur la santé. Mmh. On le retrouve déjà dans le voyage chamanique, hein, qui sont finalement pour moi des voyages pareils, hein, des voyages, euh, des sorties hors du corps, bien souvent. Ces voyages, euh, ce voyage-là qui est entamé, tout ce que tu vis au niveau cérébral, je parlais des ondes cérébrales tout à l'heure, notamment au niveau frontal, hein, on a un pic en gamma, voire au-dessus, hein, au niveau des ondes cérébrales, c'est du 40 Hz, voire plus. On, le cerveau, lui, ne fait strictement pas la différence entre ce qui est vécu dans cette réalité astrale et la réalité physique et biologique. Il n'est même plus dans cette réalité physique et biologique, euh, dans ce qu'il perçoit. Et donc, à ce moment-là, nous, on est conscient qu'on est en train de vivre une expérience en nature, que notre corps, lui, il est, il est, euh, notre corps physique est allongé dans le lit. Mais à ce moment-là, au niveau des perceptions, lui, il ne fait pas la différence. Donc, tout, tout ce qu'il va vivre, tout ce que l'on va vivre d'un point de vue émotionnel, on va le ramener dans le corps biologique. Et derrière, va s'installer toute une biochimie correspondante à cet état. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je fais une sortie. Mon mode de guérison habituel, ça va être de prendre un médicament. Je décide dans mon plan d'action de dire je prends un médicament pour me soigner d'une de, de, douleur quelconque. Derrière, tu sens tout, tu ressens les choses. Il y a les techniques que j'enseigne pour approfondir les sensations, passer d'un réalisme à un hyper-réalisme. D'accord Donc tu sens ça comme plus, plus réel encore que la réalité physique. Qu'est-ce qui se passe derrière Tu le ressens dans tout ton être à ce moment-là. Je ne parle même pas de corps tu le ressens dans tout ton être qu'est-ce qu'il faut faire derrière C'est revenir le plus tôt possible dans ton corps physique. Parce que tu ramènes avec toi cette sensation et le cerveau, lui, il installe toute une biochimie correspondante. Donc, il y a de tas d'exemples de, de, de guérison. Moi, je l'ai utilisé pour... J'en je, parle souvent dans toutes les interviews. Un hein, des, des champs euh, d'utilisation, c'était euh, mes allergies, comme beaucoup de personnes allergiques à carien, euh, pollen et tout ça, depuis que je suis enfant. Donc, antihistaminique tous les jours, etc. J'ai même été désensibilisé, ça continuait. Et du coup... Pour me passer compte euh, totalement de tout ça, au début, j'avais commencé par la méditation à travailler longuement dessus. J'avais diminué mes prises, hein, j'en étais plus qu'à 5-10 par mois plutôt que tous les jours. Et au final, en sortie, j'ai pris, alors je me suis pris à trois fois, hein, je ne l'ai pas fait en une seule fois, euh, j'ai pris euh, un comprimé, je l'écris, hein, ouais. je, je crée, je demande à le voir et je me retourne et je le trouve, je l'ai trouvé dans une sacoche, je l'ai trouvé euh, sur la table de nuit, etc. Et je le prends. Et à ce moment-là, j'ai ressenti l'effet. Une, comme une énergie qui te traverse, et tu reviens. Et quand tu reviens, tu sens qu'il y a un changement qui se passe. Et au niveau quantique, on dit que l'information vient d'être transmise à tes cellules, voire à ton ADN. Donc, en épigénétique, la biologie des croyances de Bruce Lipton, on parle d'activer euh, des gènes et de désactiver mmh. certains gènes. Donc, cette énergie est tellement puissante qu'elle vient désactiver certains gènes et en activer d'autres. Pendant un an et demi non-stop, j'ai pu apprendre de médicaments euh, du tout. J'en prends plus d'ailleurs, j'en prends plus, mais je veux dire, j'avais zéro crise d'allergie. Zéro. Aujourd'hui, ça m'arrive d'en avoir de temps en temps. Alors, bien souvent, je me pose, je médite, je fais attention à ce que je mange ou autre parce qu'il y a tout ça qui est derrière. Et euh, je l'ai utilisé pour des, des euh, aussi pour des tendinites. Mmh. Euh, du jour au lendemain, plus rien. Et euh, Michael Raduga, lui, me racontait qu'il l'avait utilisé pour son asthme. Hein, depuis enfant, il était asthmatique. Il n'a plus d'asthme. Et lui-même, dans ses séminaires, il me parlait encore dernièrement de, de personnes. Alors, je, je peux le dire comme ça. On y croit, on n'y croit ah, pas. Ouais. Encore une fois, je dis juste, c'est des faits. Des personnes qui avaient des cancers très avancés et que suite à ces expériences, le cancer a totalement, euh, totalement disparu. C'est un petit peu une tumeurs, extension de l'effet qui est, qui est magique, qu'on appelle placebo aussi. Exactement. C'est l'effet placebo. Je ne l'ai même pas dit, ça m'étonne de ne pas avoir commencé par ça. C'est l'effet placebo qui entre qui rentre en jeu, mais totalement. Donc, pour moi, la sortie, déjà, c'est se servir. Du pouvoir de l'intention et le pouvoir de notre conscience. C'est-à-dire être conscient derrière qu'on peut créer à, à tout niveau parce qu'on n'est pas limité par la matière. J'ai pas besoin de me dire euh, de savoir jouer du piano pour jouer du piano en sortie. C'est l'intention qui détermine ce qu'on perçoit. Euh, je peux percevoir une musique extraordinaire sans être pour autant musicien, sans être pour autant euh, chanteur euh, et, et percevoir ça. D'ailleurs, des expériences qui ont été faites où euh, plus de 70% des personnes, même pas musiciennes, Personne n'est même pas musicienne, même pas chanteur, pas de chanteur, euh, chanteur et chanteuse percevaient une musique en haute définition qu'ils n'avaient jamais entendue, comme ça, à l'instant T, à, à la seconde. Donc c'est hyper troublant. Des chanteurs comme Paul McCartney ont perçu la chanson Yesterday comme ça, dans cet état de phase. Et euh, ils ont passé, il a passé trois semaines à vérifier que la chanson n'existait pas déjà ailleurs. Donc voilà, on est vraiment purement créateur. Et cet effet placebo, il est hyper puissant. Mais beaucoup de personnes qui font des voyages astro, qui sortent, n'utilisent pas cet effet placebo parce y a ils n'ont pas tout simplement pensé qu'ils pouvaient euh, ces, ces personnes pouvaient s'en servir. Et l'effet nocebo, donc c'est la même chose. Ça veut dire que l'effet nocebo, la personne qui sort, c'est pour ça que je dis d'être conscient. Il est important de se renseigner, de j'allais dire de bah, se renseigner au bon endroit. C'est dur de dire quel est le bon endroit pour se renseigner parce qu'on a tous chacun un son de cloche. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont dire attention, il euh, euh, y a le bas stral qui existe, il y a, y a, les, y a les, les mauvaises âmes qui arrivent. Et je dis pas que c'est pas vrai. C'est juste qu'effectivement, si on y croit. On le projette. Et donc, on le projette et on, et on le prend. Et si on revient et qu'on est euh, très sensible et très en et qu'on n'arrive pas à, faire une, 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 à mettre une barrière dans tout ça, on va revenir en ayant l'impression que euh, un démon vient de nous parler ou autre. Et ça, euh, c'est clair qu'il en parlait lors de, de, de l'échange que tu avais eu, per une personne qui, qui était poursuivie par, euh, je sais plus ce qu'elle disait, si c'était un, un loup ou un, ou un dinosaure, ouais. et pendant longtemps, elle était poursuivie et qu'au final, euh, elle a transmuté l'expérience en lui faisant face et dit « Pourquoi tu me suis et que d'un seul coup, euh, c'est un, en fait. voilà, un dragon. C'est un dragon et qui au final, il s'est transformé. Et moi, c'était le cas d'une femme qui me racontait que depuis tout petit, c'était un, un loup qui la poursuivait. Et elle disait, il va me bouffer, il va me bouffer. Et un jour, après avoir vu mes vidéos, elle, elle s'est dit, ah, il a dit que je pouvais me retourner et juste lui poser ouais. la question pourquoi il est là. Hein, je l'ai pas inventé, c'est dans, dans tout, plein de centres du sommeil. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont très en avance là-dessus. Ils, ils aident beaucoup de personnes d'un point de vue thérapeutique pour soi, soigner de phobies, de complexes, etc. Donc, ils disent fais face à ce, à ce monstre et tu lui demandes pourquoi il est là. Mm. Et à, dans 100% des cas, hein, des témoignages, ce monstre se transforme parfois en enfant, parfois en forme lumineuse, parfois en être, à, en guide ou une personne que l'on connaît. Hein, ça peut être un parent euh, et il va nous dire, un, nous passer un message comme un guide. Et euh, cette personne qui était poursuivie par un loup, elle me racontait derrière que depuis, elle rêve encore, mais plus du loup, de ce guide qui est là mmh. pour lui donner des conseils. Et donc, c'est ça c'est ça qui est magique. C'est pour ça que pendant longtemps, on a dit, surtout, il faut absolument pas en faire. Et à juste titre, parce que tant que les personnes ne sont pas suffisamment euh, renseignées quand même sur tout ça, sur les sept fameux effets placebo, mais et aussi nocebo, bah, effectivement, on peut faire n'importe quoi dedans. Mmh. Donc euh, voilà. Et l'effet de nos il va loin, on peut ressentir, excuse-moi, je vais se faire très court, mais j'ai participé à des expériences, notamment avec Michael Araduga, pour ressentir justement, voir si on allait ressentir la douleur et la ramener dans le corps la biologique. C'est question que je voulais te poser en plus. Ah bah voilà, c'est voilà, ça. Donc euh, j'en ai fait deux exactement. On devait taper dans, dans un mur pour une, et dans l'autre, on devait carrément essayer de voir si on pouvait s'arracher un membre. Ah. Donc, ça, il fallait avoir le courage de le faire ou pas. C'est-à-dire, on pouvait se l'arracher ou prendre un couteau dans, dans, dans la phase, hein, dans cet état, et euh, essayer de couper ou autre chose. Même, pourquoi pas, passer la main à travers son corps. Donc, euh, la première, c'était euh, la porte. Bon, moi, j'ai frappé euh, non, dans un mur. J'ai frappé dans un mur. Il y a quasiment euh, plus de 50%, je n'ai plus le chiffre exact, mais je peux te dire que c'était plus de 50% des personnes qui ont ressenti une douleur pendant qu'elles l'ont faite dans la sortie. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est ensuite la question c'était de savoir en revenant si on ressentait la douleur. Oui. Alors, pour la plupart des personnes, on demandait de revenir juste après, c'est-à-dire pas rester et rentrer dans un rêve lucide et de revenir. Donc, pour les personnes dans, dans ce groupe, hein, plus de 50% euh, des personnes, toutes celles qui sont revenues, il y avait environ 20% des personnes qui ont ressenti pendant les premières secondes la douleur. Mmh du coup donné. Alors j'allais dire, <laughs> est-ce qu'on a donné un coup fort ou pas Est-ce que les personnes qui ont donné le coup le plus fort ressentent encore la, la douleur derrière Est-ce qu'il y a une échelle de douleur Parce qu'on sait qu'il y a une grande partie de la douleur qui est psychologique. Donc là, moi, en ce qui me concerne, j'ai ressenti euh, les quelques secondes qu'on ont suivi, 2-3 secondes, euh, ce coup. J'ai fait l'expérience ensuite de, euh, on devait soit se couper un doigt, soit l'arracher. Moi, j'ai pris mon doigt et j'ai l'arraché. J'ai eu aucun, aucune sensation euh, directe. J'ai eu l'impression, j'ai une sensation d'attraper quelque chose comme de, comme de la mousse que je tirais comme ça. Visuellement, tu l'as vu euh, s'arracher. Oui, visu... visuellement, je n'ai pas vu de sang mmh. ou quoi que ce soit. Hein. J'ai surtout ressenti, encore une fois. Hein. J'ai vu ce doigt avant, l'attraper. Et j'ai tiré comme ça. Et à ce moment-là, j'ai vu comme euh, deux doigts. Déjà, les mains, tu sais, on, on en parle en rêve lucide, mais en sortie du corps, souvent, c'est pareil aussi. Hein. Ça fait partie des tests. On utilise des, des tests très similaires. Ouais. C'est pour ça qu'il y a vraiment un continuum entre les deux. Que tu peux voir aussi ta main déformée, pareil. Ouais. Donc, déjà, moi, ça m'a aidé là-dessus, de savoir ça. Je savais que derrière, euh, psychologiquement, ouais. euh, en prenant la main, je pouvais faire ça. Mais les personnes qui rentrent dans le truc, prendre un couteau et faire tout ça, le, la partie psychologique fait qu'elles peuvent ressentir le. La douleur. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai pas ressenti. Par contre, ensuite, il y avait l'expérience de, de, de voir si on pouvait passer notre main astrale à travers ce corps et, et voir ce qu'on allait ressentir. Et moi, j'ai tenté de le passer au niveau de mon cœur. Et, euh, et là, moi, ce que j'ai ressenti, c'était une brûlure. Alors, pas de douleur, hein, une brûlure, une véritable brûlure, comme si je mettais ma main dans un feu. Quoi. Donc, je passais, j'ai fait ça, ah, j'arrête. Je me dis, ah, je vais retenter pour voir. C'est ça. Alors, pas, pas un feu, hein, je vais plus parlé, parler d'une plaque. Euh, une gazinière encore bien chaude, quoi, tu vois, parce que j'ai pas été, euh, je suis parvenu comme ça directement et et j'ai pas réussi à passer ma main à travers, parce que et là on dit souvent que euh, on peut être bloqué par notre mental, par nos peurs. Donc tu vois, il y, y a toujours ça qui fait que il euh, a, a les inductions, elles agissent, nos pensées agissent à tout niveau. Et il y a des personnes qui reviennent avec des stigmates parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont en train de vivre. Hein. des personnes qui vont vivre une expérience transcendantale comme ça, hein, dans l'état de phase et qui vont euh, d'un seul coup se retrouver dans un feu et en venir avec des stigmates qui vont apparaître. Ça, il y a eu des, des, beaucoup de témoignages. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, en stigmate physique. Je veux dire, je ne l'observe pas ouais. sur le corps. Par contre, j'ai parlé des, des allergies, de tout ça, des douleurs. Je les ressens, ça, la différence. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est vraiment super, super intéressant. Donc, ça, c'était pour l'aspect euh, ah ouais. guérison physique. Et est-ce que tu... Euh eu la curiosité de faire des expériences aussi en binôme, en plus, avec tes frères. Est-ce que vous, tous tes frères, sortent, font des petits voyages aujourd'hui Aujourd'hui, mes frères, oui, mes frères, ils savent, ils savent tous sortir. Ils le font pas autant que moi parce que de, de base, ils en vivaient moins mmh. de manière spontanée. Ils avaient déjà vécu quelques rêves lucides, sauf que moi, pendant par exemple l'adolescence, c'était toutes les nuits presque, ah, tu oui, vois. Euh, les rêves lucides et sorti, hein, donc alterné, paralysie du sommeil plus l'enfance que, que l'adolescence. Et euh, mes frères, c'était de temps en temps. Et, euh, et, euh, et avec les techniques, alors là, je leur, je leur montre, euh, je leur apprends. Donc, euh, ah ouais. si de temps en temps, ils ont envie, lors d'un réveil nocturne, de faire les techniques, techniques de la nage, j'en je parle dans les vidéos, où la corde, attraper, essayer de ressentir une corde au bout des doigts, dans les premières secondes qui suivent, essayer de se hisser de ce corps, d'un seul coup, bah, ils sortent et puis voilà. Mmh. Mais en, Donc, je sais plus en, en binôme, non, mais je ne l'avais pas fini de la poser. Est-ce qu'en binôme, vous partez en même temps, imaginons que vous partez en même temps dans l'astral l'astral ou enfin, mm. moi je l'astral excuse-moi oui euh, tu... non mais as raison, et, tu... euh, et et que vous, que vous arrive de vous retrouver dans au même endroit et de rapporter après les mêmes choses peut-être même les mêmes conversations que vous que vous auriez eu euh, dans, dans cette autre dimension est-ce que voilà est... alors on n'a jamais euh, on a, on s'est jamais appelé pour dire tiens ce soir on fait la même ah. chose euh, on fait la même chose. Par contre, euh, oui, il faut savoir qu'on peut demander avec une personne de dire tiens, ce soir, on fait une, fait une sortie en simultané. Et les personnes peuvent rentrer toutes les deux dans l'état de phase. Par rapport au plan d'action, si elles ont mis la même chose, elles vont vivre quelque chose de très similaire. Par contre, si on leur demande bien souvent, hein, je, je parle d'une généralité oui, oui, il, y a, il y a des exceptions quand même. Mmh. Si on leur demande euh, comment était le décor, etc., bah les personnes vont décrire des choses différentes. Donc ça, euh, ça a été... Moi, j'ai participé encore une fois à la mise en place de, de ces protocoles, euh, notamment avec Michael Raduga, etc. Et, et euh, ça, ça a été fait euh, des tas de fois. Donc les personnes sortent, vivent une expérience similaire parce que leur intention de départ est de vivre mmh. ce type d'expérience. Par contre, entre les mots échangés, ça va différer. De manière générale, il y a des exceptions de quelques rares témoignages où des personnes disent J'ai réussi à, à, à rencontrer la personne et on a vécu la même chose. Je pense à un couple euh, qui, qui avait écrit euh, que l'homme, alors ça c'est une histoire un peu glauque, hein, l'homme est sorti et sont mis, il s'est mis à voler et il a rencontré sa femme et, euh, et elle lui a planté un couteau dans le dos. <laughs> alors... Et en revenant, ce qui est intéressant, c'est ce que que c'est qu'il dit bah, Quand je voulais. Bah, Bizarre, tu m'as planté un couteau dans le dos. Elle a dit Bah oui, je l'ai fait. J'avais un sabre, je t'ai planté un sabre. Enfin, je, je fais ça avec un sabre une, pour voir. C'était une expérience euh, bah, C'est un, juste un témoignage. C'était pas non, mais dans mais C'était une expérience. Elle, elle s'est dit euh, C'était une expérience que j'ai fait, je te plante un couteau dans le dos. Ouais, Ou euh, C'est ouais, ouais, un témoignage écrit. Et... Alors, ouais. c'est un témoignage écrit, je sais pas du tout euh, quelle était la nature de leur, euh, leur délire. Ouais. <laughs> la chose que je sais pas, c'est s'il lui avait demandé ça au préalable. C'est ah, ça, encore une fois, qui est très intéressant pour moi. Parce que. Ce pas mentionné. Et si c'est mentionné, ça change tout. Tu vois ou pas ce que je veux et dire C'est si c'est mentionné et qu'ils part de cette intention-là et qu'il aussi a la même intention, ils vont juste décrire derrière, ah bah ben, on a vécu la même chose. Mais si l'intention n'est pas la même, c'est juste de se voir, ce qui est vécu peut être différent. Donc ça, ce serait une expérience vraiment, euh, avec la même intention et puis euh, et écrire même les choses avant. Euh, ouais. on va, on... Par contre, ouais. 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 et avec mes frères, par contre, on a vécu, mais là, c'est un rêve très, très fort. C'est pas un rêve lucide, c'était pas une sortie hors du corps, mais un rêve très très fort où on a déjà fait le même rêve, mais strictement le même rêve. On devait se rendre euh, dans un cimetière le lendemain pour, euh, sur la tombe de notre arrière-grand-mère pour euh, des raisons euh, très personnelles et euh, dans, en arrivant dans le petit village, on s'est garé et il y avait une sorte de verger. Donc je fais très court et on est restés stoïques tous les trois. Alors moi je croyais qu'il y avait que moi. Et la vision de mon rêve, exactement la même. Euh, des vergers, des, des CD dans les arbres, une machine agricole orange à côté. Et je tourne la tête pour le dire à mes frères, pour dire que la, la nuit qui précédait, j'ai rêvé de ça. Ouais. Et je les voyais pareil, on s'est retournés, on a dit, on ouais. j'ai rêvé de ça aussi. On arrivait de la même chose, avec un détail qui différait, c'est que chacun, on avait un homme à côté de cette machine agricole, un homme avec un chapeau de paille. Le même détail, ouais. les trois, la, la même chose. Et, par contre, il n'était pas là. Mais bon. Mmh. Est-ce est qu'il y a une grosse différence quand tu passes, c'est la même question que j'ai posée posé à Claire euh, jeudi dernier ou vendredi dernier, je sais plus, euh, entre le, voy, le rêve lucide, quand tu passes du rêve lucide au voyage astral. Est-ce que tu sens comme un une espèce de flash de réalité euh, qui t'arrive, ou alors, ou alors c'est simplement un peu plus réel Et quelle différence, je vais continuer ma question, quelle différence y a-t-il en, en sensation de réalité entre le voyage astral et, euh, et la réalité qu'on vit, euh, la réalité matérielle qu'on vit tous les jours J'adore cette question, parce que c'est la question... Euh, pour moi, c'est le, le débat éternel. Hein. Tu vas sur tous les forums de sortir du corps, etc. C'est la question qui revient tout le temps. Et les gens qui, qui argumentent, non, c'est pas pareil, et, voilà. et Tout le monde dit des cho choses différentes. C'est ça le problème. Et là, et là, vous allez avoir mon avis. <laughs> moi, pour moi, c'est mon avis. Hein. Après, je peux me tromper, mais encore une fois, je vais parler de mes expériences. Il s'agit effectivement de deux portes d'entrée différentes. Donc, des portes qui diffèrent et la sensation de départ, euh, le début de l'expérience va différer. Pourquoi bah Déjà, dans la phase, hein, on parle de la phase je, je mets ma main ici. Hein. D'un côté, ici, euh, tu as euh, le, le rêve. D'accord Rêve. Et ici, tu es éveillé. Tu es dans un rêve et d'un seul coup, tu deviens conscient dans le rêve. Tu es dans un rêve lucide. Donc, la phase, hein, on, fait, on fait une sorte de cercle qui regroupe les deux états. Tu es dans un rêve, tu, rêves, tu fais un rêve lucide. Tu rentres dans la phase. Tu te réveilles, tu fais quelques techniques et tu sors de ton corps. Déjà, bien souvent, tu sors de, de ton corps dans ta chambre. Bien souvent, c'est là hein, que la, démarre l'expérience. Parfois, des personnes se trouvent déjà dans un autre décor. Et là, tu as la sensation littéralement de te séparer du corps, hein, de, de sortir, de, de, de marcher directement. Et là, tu es éveillé. Donc, tu amorces l'entrée dans l'état de phase par la sortie du corps. Maintenant, j'ai parlé de l'état de phase qui regroupe le tout c'est que bien souvent, on démarre l'expérience de manière différente. Et en fonction des techniques que chacun connaît, il va augmenter son niveau de conscience dans la phase et rendre l'expérience hyper réaliste ou non. Pourquoi Je m'explique. Si tu peux faire un rêve lucide, et c'est ça que j'enseigne dans la formation, c'est que je dis, bien sûr, je, je montre les différentes techniques pour passer à la sortie du corps, vivre cette intention de sortir. Tu peux créer une porte euh, et passer à travers la porte et ressentir les vibrations d'un seul coup. Hein. Si tu changes d'état vibratoire, tu passes à un état supérieur niveau vibratoire, mais tu peux par ces techniques, en étant dans le rêve lucide, renforcer totalement les sensations, faire en sorte que euh, tout ce que tu vois va passer de 80% par rapport à la réalité physique ordinaire à 120%. Ah ouais. Tu vas pouvoir atteindre les mêmes niveaux. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si tu transitais, on imagine euh, la, la phase, et que derrière, il y a une sorte de pyramide et tu t'approches de cette pointe-là. Que tu passes par la sortie du corps ou le rêve lucide, tu peux atteindre un état profonde euh, un hyper -réalisme. tu peux vivre des expériences qui vont euh, qui vont qui vont obtenu, euh, générer les mêmes effets d'un point de vue physiologique par contre bien souvent pourquoi une personne qui vit une sortie du corps va te dire non non ça n'a rien à voir c'est parce qu'elle sent la sortie elle sent les vibrations elle sent qu'elle est en train de marcher et tout ça donc du coup elle est déjà dans un état éveillé au point de vue des ondes cérébrales on démarre avec une longueur d'avance voilà le, le lobe frontal qui est activé dans le rêve lucide, selon les, les, les recherches qui ont été faites, on serait au niveau des, des ondes cérébrales, euh, au niveau euh, du lobe frontal, elle serait vers 40 hertz, l'état gamma. Et là, on atteint un état euh, plus élevé, bien souvent, qui est l'état lambda, voire plus. Hein. Donc, euh, on monte dans les états, euh, dans, dans ces états-là. Et donc, effectivement, certaines personnes vont dire non, mais la sortie du corps, non, n'importe quoi, c'est pas du tout un rêve lucide. Effectivement, c'est des portes d'entrée. Moi, je parle de portes d'entrée, et derrière, il y a un état. Tu vois? Euh, c'est comme si tu passes par la porte d'entrée de la maison ou tu passes par la porte euh, du garage et tu arrives dans une maison. Et ensuite, où tu vas aller dans la maison, peu importe la porte que tu prends, tu peux aller dans cet endroit. Et ça, c'est comme ça que je schématise la chose. Et toi, personnellement, tu arrivais à quel pourcentage de réalité Est-ce que tu as atteint un ça? En réalité, bien souvent, je mets... Euh, euh, wow, je dis des fois... C'est dur de mettre des mots parce que euh, le temps, l'espace ne, ne réagit plus de la, de la même manière. Mais souvent, je dis 150. Ah ouais. plus, 150. Pourquoi je dis Parce que ça va être des sens isolés. Ce n'est pas comme si, euh, contrairement à, aux expériences de, expérience de mort imminente qui, des fois, vont dire, j'ai l'impression que toute ma conscience entière, dans son entièreté, est dans une, euh, un hyper-réalisme à tous les niveaux. Moi, ça va être, euh, par exemple, la vue. Si je, je, je me concentre sur le, le sens de la vue, je vais percevoir par la, la vision quelque chose qui est à presque 200% la réalité par moment. Les couleurs, la, vivacité, la, la, le, le, les couleurs, la, la luminosité, etc. Par contre, si tu me demandes si à ce moment-là j'ai conscience forcément des autres sens, pas forcément. Mmh. C'est pour ça que je dis que globalement, je vais être à 100, régulièrement à 120, 150 voilà, par rapport à cette réalité. Et dis-moi, il n'y a pas un risque psychologique comme toi, tu en as fait depuis que tu es petit. Euh, ouais. Donc euh, c'est que c'est bien, tu as dû continuer. Donc maintenant, en plus, tu les fait de façon consciente, De vouloir échapper à la réalité, euh, c'est un petit peu comme un drogué. Qui va, qui va échapper euh, en prenant des ah bah, drogues mais bon peut-être que là c'est peut-être c'est peut-être moins né, né, nocif mais quand même euh, il peut pas y avoir un décalage complet avec euh, la réalité et vouloir faire que dormir euh, pour pas dormir que de médicaments qui est nocif qui est nocif bien souvent c'est euh, le vouloir le faire sans savoir euh, ce qu'il y a derrière c'est euh, ça c'est bien souvent c'est des personnes d'ailleurs qui n'y arrivent pas qui vont chercher pendant longtemps longtemps à vivre l'expérience ceux qui veulent échapper à une réalité qui veulent échapper à une réalité. Mmh. Et là, on va le rencontrer avec le phénomène du shifting chez, les, chez beaucoup de jeunes. Hein. Je parle des jeunes parce que c'est vrai que euh, ça a fait un boom chez les jeunes. On parle du shifting. C'est finalement rien d'autre que cet état de phase. C'est des techniques, d'ailleurs, euh, empruntées à, aux techniques de voyage astral qui étaient déjà enseignées dans les écoles des mystères depuis l'Égypte ancienne. On en parle dans l'Antiquité et tout ça. C'est des techniques que euh, voilà, j'enseigne aussi dans la formation. En entrée, euh, en phase hypnagogique, on entre par l'hypnagogie, c'est un endormissement. Et euh, celle que j'enseigne aussi, c'est la phase hypnopompique, c'est en sortie de sommeil. Et donc, c'est euh, régulièrement, dans, sur les groupes, le groupe Facebook, notamment que j'anime sur, euh, sur, euh, sur le thème de la phase, voyage astral, sortir du corps, rêve lucide, ou encore sur la chaîne euh, Voyage astral, Gaga Méditation, ouais. où là, tu vois, je prends plus de temps là-dessus énormément de jeunes euh, qui parlent du shifting, et je le sens que c'est pour fuir à la réalité. Mmh. Et donc derrière, j'ai fait, fait une vidéo dernière, dernièrement, je ne voulais pas en faire spécialement, parce que je me dis, pourquoi refaire des vidéos là-dessus J'ai juste mis ce mot-clé shifting. Mais c'est quoi shifting Entre nous, c'est shifting, ça veut dire transiter, passer d'une réalité à une autre. Mais en fait, toutes les méthodes qu'on qu enseigne dans le shifting, c'est ça, c'est euh, soit par la relaxation, tu vois l'état méditatif, tu rentres dans cet état, c'est les mêmes techniques, c'est la même chose. Oh, c'est juste un, un terme différent. Et les jeunes qui ont commencé à vivre ça ont dit, ah, j'ai vécu un truc de fou, ah, j'ai, euh, bah, tiens, c'est arrivé aux États-Unis, ils dit, j'ai shifté, j'ai transité, okay, okay. ça veut dire transiter d'un état à l'autre. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est ce, pour ça qu'il y a un boom dans ce phénomène, ces états modifiés de conscience non ordinaire c'est que y a des, y a ce, ce, le hashtag Shifting a été utilisé plus de milliards de fois sur le réseau TikTok, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc il y a énormément de jeunes à travers le monde qui actuellement essaient de vivre ça. Et elles ne savent pas, et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'elles ne savent pas forcément ce qui les attend derrière. Juste de savoir, aujourd'hui, hein, dans les centres thérapeutiques, les centres du sommeil, euh, les psychologues qui travaillent là-dessus, montrent que juste le fait de savoir à quoi correspond, grosso modo, cet état, que c'est un état modifié de conscience non ordinaire, qu'on on va avoir une projection de nos émotions, juste ça va aider à, ouais. à faire que la personne va passer d'une expérience qui peut être traumatisante à une expérience merveilleuse. Mmh. Et donc, le pont est faible. Et c'est pour ça que voilà, je fais ces vidéos, que j'interviens ce soir pour vraiment l'expliquer. Ouais. Euh, J'ai traversé ça, des expériences. Quand j'étais enfant, la paralysie du, la paralysie du sommeil, et les sortes, sortes du corps que je vivais, pour moi, je les vivais comme des expériences qui n'étaient pas plaisantes parce que je croyais être mort. Donc, tu vois, juste cette croyance que l'on ancre et qu'on renforce parce qu'on n'a pas de d'explication autour, fait que ça peut être perturbant. Maintenant, moi, j'ai eu derrière, j'ai avec mes frères, cette activité méditative. Mon, mon désir d'explorer, et de comprendre ce qui m'arrivait fait que j'ai trouvé des réponses là-dessus. Mais une personne qui vit, moi, j'ai une personne qui m'écrivait dernièrement à 79 ans, donc bientôt 80, qui dit Je vis ça depuis l'âge de 20 ans. J'aurais aimé tomber sur vos vidéos euh, plus jeunes parce que c'est seulement maintenant, à 79 ans, que j'ai enfin réussi à, me, à sortir de ma paralysie du sommeil, à vivre une sortie du corps et surtout quand je la vis, de pouvoir vivre quelque chose de merveilleux et tu vois quand je dis ça et que je, je, je reçois ce type de témoignages bah, ça m'encourage aujourd'hui à le faire pas forcément dans le but d'apprendre encore ouais. aux personnes de le faire mais surtout de savoir que quand elles vivent quelque chose de traumatisant euh, une paralysie du sommeil ou, euh, ou euh, qui sont pas d'ailleurs tout le temps euh, désagréables, il hein, y a une, 20% des personnes qui les vivent disent qu'elles sont agréables mais bon. et des personnes qui vivent des sorties perturbantes bah, je vais euh, apprendre aux personnes à vivre des expériences plaisantes et ça change tout dans des formations que tu donnes, est-ce que tu, tu fais un suivi quand même Il y a un suivi derrière, donc je réponds déjà aux commentaires. Parce que ça a l'air quand Et même... Euh, personne... ouais. Il y a besoin d'avoir un suivi quand même. Exactement, c'est hyper important. Le, je suis d'accord avec toi, le, le suivi est hyper important. Donc pour ça, j'ai créé la chaîne annexe, où j'ai déjà, en plus de la formation... Euh, je vois les questions qui reviennent régulièrement, donc je, je fais des petites euh, capsules courtes pour répondre aux questions, comme ça tout le monde retrouve. C'est une sorte de fac, hein, donc on retrouve ça. J'interviens euh, bah, sur la chaîne Gaïa Méditation, comme tu le sais, avec des live questions-réponses. Sur cette chaîne aussi, j'en fais d'autres. J'ai un groupe Facebook euh, où il y a d'autres expérienceurs euh, euh, plus expérimentés, en plus de moi, qui vont aussi intervenir et, et accompagner euh, les, les personnes qui démarrent. Et, euh, et surtout aussi, j'anime euh, plusieurs fois dans l'année un webinaire exclusif pour les membres de la formation qui est gratuit hein, bien sûr. Euh, le premier d'ailleurs, c'est samedi. Voilà, le, de, le premier de cette année. Hein aura lieu samedi et donc là c'est en zoom en visio on, voit, on se voit tous et je prends des personnes au fur et à mesure j'analyse les tentatives de, des personnes et je vais leur donner des clés et tout le monde en bénéficie donc c'est vraiment en fait c'est là que devient très intéressant cette formation au-delà des vidéos c'est qu'il y a cette, énergie, cette synergie qui est créée et qui fait que euh, tu n'as pas forcément besoin à ce moment-là d'intervenir parce qu'une personne a posé la question que tu avais envie de poser oh, comme ouais. là lors d'un live de ce soir et là les personnes avancent font un bond d'un seul coup dans, dans leur dans leur pratique et, euh, et, et c'est ça qui est gratifiant derrière, euh, même si euh, voilà, encore une fois, je n'ai rien inventé. Je le dis, je le dis vraiment au fort. J'apporte juste mon expérience et ma vision là-dessus. Mais, mais un tas de personnes qui, qui, qui vivent aujourd'hui des sorties grâce aux formations, bah, aujourd'hui, elles ont presque plus besoin de moi ouais. en vrai. Elles ont, plus du tout, euh, euh, voilà, elles ont eu un suivi au début et maintenant, je les vois intervenir toutes sur le groupe pour dire, attention, oui, ne euh, euh, vous inquiétez pas si, si vous ressentez ça au début, des vibrations, ou si vous entendez des voix au début, c'est normal, mmh. et vous pouvez entendre des mmh. voix. Et avec... Donc, il euh, y a toute cette synergie qui se fait et aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes ah, dans oui, le groupe qui venait à partir des vidéos et d'autres de la formation. J'ai pas 10 000 personnes qui ont pris la formation, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent des vidéos. Et cet échange, il est vraiment très enrichissant pour tout le monde. Et maintenant, tu as une réponse pratiquement à toutes les questions, je suppose. Euh, à tout, tout ah, je ne sais pas. Je, pour l'instant, j'ai répondu aux questions que tu, tu me donnes. Euh, dans beaucoup de lives, j'ai répondu pour l'instant. J'ai ma je dis ma réponse encore une fois ce n'est pas la vérité générale c'est très important voilà parce que j'ai toujours il y a que l'expérience qui va te permettre à chacun de vraiment se faire un avis sur la question les personnes qui rencontrent des problèmes pour sortir en suivant ta formation je suppose que peut-être tu as été confronté ou alors tu as déjà résolu le problème pour quelqu'un d'autre donc c'est ça je c'est ça, et surtout, je me rends compte qu'il y a des cas de figure, il faut le dire, il hein, y, y, y a un cas de figure, peut-être 30% des personnes qui vont vraiment lutter plus que d'autres, ce n'est pas qu'elles ne sont pas en mesure de le faire d'un point de vue physiologique, c'est que ces personnes vont avoir plus de blocages. Donc le suivi derrière, c'est des fois, elles vont laisser un message privé ou autre. Et ils euh, vont me dire, il bah, y a ça, il y a ça, j'ai un mode de vie un peu décalé, je travaille la nuit, etc. Donc, il y a des, des problématiques différentes ah ouais, et des réponses ouais. du coup, différentes pour chaque personne. Et il y a aussi beaucoup de personnes où on voit qu'elles sont énormément dans, 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 dans le mental, ouais. pas dans, dans un certain lâcher prise. Et là-dessus, euh, normalement, la méthode indirecte nous aide totalement à être dans un lâcher prise. C'est-à-dire qu'on a juste à, 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 à effectuer les, les actions. J'enseigne les techniques très simples, hein, euh, directement dans les premières secondes, sans se poser de questions. Et on doit, la question, c'est savoir, je ressens quelque chose ou je ne ressens pas. C'est aussi simple que ça. Juste amorcer la sortie. La personne qui ressent, boum, lève-toi euh, par l'intention ou autre, en amplifie, prends-toi les mains ou autre chose. Il hein, y a des petites techniques qui aident comme ça. Et sort. La personne sort. Elle dit Mais c'est incroyable, j'ai fait trois sorties dès la première ouais. nuit À côté, il y a quelqu'un qui va lutter pendant trois semaines, qui dit je ressens tout mais qu'est-ce que je dois faire là je dis fais ce qu'il y a là. Et en fait elles sont tellement dans le mental que en fait c'est des fois c'est des peurs. Donc souvent les personnes je leur dis à ce moment-là peut-être qu'il y a un travail à faire en méditation en journée. Prenez du temps pour aller en fouetter enfin, ouais. parce que souvent c'est des états de stress profonds dans la vie qui font que bah, tu vois il y a des personnes qui réussissent à sortir. Elles me disent j'ai réussi à sortir mais je suis en vacances alors que dans ouais. dans l'année je suis tellement pris partout que j'arrive. pas. C'est quoi à... est ce qui, est, qui est le plus euh, qui empêche le plus de sortir c'est c'est la peur? Moi, j'ai souvent, c'est la peur. Les personnes arrivent bien souvent à l'étape de paralysie ou, euh, ou euh, du sommeil. Hein. Pas, pas de paralysie, je ne peux plus bouger à vie. Hein, non, pas du tout. Euh, ou alors, euh, commence à ressentir, bien souvent, les, les gens ressentent les vibrations, commencent à sortir cette semi décorporation Ils disent, bah, je sens comme une colle, quelque chose qui m'attire, un magnétisme qui me retient. Et euh, Marco Burn appelle ça ouais, la colle, ouais. d'ailleurs. <laughs> et, 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 et euh, tu vois, j'ai interviewé Sylvie Dettiola sur la chaîne dernièrement, et d'un point de vue scientifique, ce qu'elle dit, qu d'un point de vue scientifique, c'est qu'on a, on a plus transité notre conscience au niveau du corps éthérique, le corps énergétique qui est le plus proche du corps. Mais on n'a pas encore emmené ce, cette conscience au niveau astral. Donc, en fait, on est encore très connecté à notre corps physique, ce qui fait qu'on a du mal à, à transiter. Donc, euh, pour beaucoup, les personnes vont lutter. Et en fait, je le dis toujours, il y a juste des techniques d'approfondissement qui aident à, à transiter dans cet état et, euh, et des, des petites méthodes juste liées à la respiration. Mmh. La respiration, alors je parle de la respiration pour le coup physique et biologique. Mmh. Il hein. y a deux, deux, deux euh, parties physiologiques qui, qui, euh, qui continuent derrière à être présentes et qu'on va pouvoir utiliser pour euh, garder ce lien avec la réalité physique et ordinaire. Ça va être le mouvement des yeux, le mouvement oculaire. On le retrouve d'ailleurs dans le sommeil paradoxal avec les mouvements euh, rapides sous les paupières. Et, euh, et on va utiliser ses yeux sous les paupières des fois pour déclencher des, des sensations vestibulaires, des rotations et l'autre c'est la respiration d'ailleurs les personnes qui font euh, um, qui vivent des paralysies du sommeil, bien souvent je leur dis essayez tout simplement de porter votre conscience sur la respiration et de ralentir cette respiration tout simplement, tu ralentis ta respiration naturellement tu indiques déjà au corps que tu rentres en relaxation tu te défais de la paralysie du sommeil et tu peux amorcer une sortie ou tu te réveilles si euh, tu n'as pas fait de technique pour sortir. Et c'est la même chose quand tu as. Il un... y a des personnes qui font tout super bien, mais l'excitation, cette <laughs> fois-ci, la surexcitation, c'est une surémotion, pareil, ouais. bah, et que ça les ramène. Donc, il euh, y a une, une sorte de trouver le, le seuil d'excitation, de, d'enthousiasme suffisant, et pas euh, déborder des ouais. deux côtés. À chaque fois, tu te souviens des messages que tu reçois si tu rencontres des, des guides ou des gens, ou alors tu as oublié alors, après je me souviens totalement dès que je fais une sortie du corps euh, consciente, un rêve lucide, à condition que le rêve lucide, je ne, je ne transite pas par le rêve classique. Et en fait, pareil pour la sortie du corps, si euh, bon, ça m'arrive pas en général, quand je reviens et je décide de revenir, je reviens, je ne plonge pas dans un rêve. Hein, ça ça m'arrive très très rarement de replonger dans un rêve. Hein. Mais euh, pour une personne, et ça c'est dans peut-être 50% des personnes qui débutent, sans le savoir, elles vont se laisser happer par ce qui se passe autour. Donc tu fais une sortie. Il y a des choses qui ne font pas partie de ton plan d'action. Exemple, je fais une sortie, j'aime raconte, bien raconter ça, je me, je me baladais au début de sortie dans mon salon, avant d'aller plus loin, de, de voyager sur deux plans et tout, et j'avais des fontaines de chocolat, du, du chocolat <laughs> partout, partout dans le salon, mais vraiment partout. Et ça, souvent, il y, y a un aspect comique. Hein. Du moins, dans mes sorties, il y a plein de détails comiques. Vraiment, ça me fait rire à chaque fois. Je rigole dans la sortie. Et je me dis, ça, c'est pour me détourner de mon plan d'action. Donc, la règle, c'est de ne pas se détourner des actions que l'on souhaite accomplir. Si tu commences à te détourner, qu'est-ce qui se passe On se rend compte que les personnes vont transiter petit à petit dans un rêve lucide, voire dans un rêve. Et elles vont se dire bah, elles ont perdu la lucidité, elles ont perdu le contrôle de ce qu'elles étaient en train de vivre, ou elles reviennent directement au corps physique. Donc, une des premières choses, c'est de ne pas se détourner. Si tu te détournes, 50% des personnes vont transiter dans un rêve. Et une fois que tu es dans le rêve, il y a des processus naturels au rêve qui se déclenchent. Ça veut dire une, une inhibition de l'activité corticale qui est liée à la mémorisation, notamment, qui fait que quand tu reviens, en général, tu te réveilles le matin, tu as la dernière bribe de rêve oh, dont ouais. tu te souviens. Parfois, certaines personnes ne se souviennent pas du rêve. Et l'unique moyen d'essayer de se rappeler, c'est de dérouler en sens, à, en sens inverse. Si tu ne fais pas cet effort-là pour activer, ancrer cette mémoire de ce que tu as vécu, ça disparaît. Donc, il y a des personnes qui vivent une sortie. Euh, D'accord Elles vont transiter dans le rêve lucide, puis dans un rêve. Et elles reviennent à se réveiller. Avec cette sensation de se réveiller, pas d'une sortie du corps, mais d'un rêve. Elles oui. vont dire Mais c'était hyper réel. Mais du coup, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir rêvé <laughs> que c'était un rêve lucide, que c'était une sortie du corps. Bah, tu as juste transité de l'un à l'autre. Et, et l'activité qui, qui, qui est là pour euh, inhiber cette mémorisation fait qu'entre-temps, ce que tu as vécu, tu commences à l'oublier. Hum. Et tu as eu des, beaux, as eu des voilà. bons messages, des fois moi, eu, bah, déjà, le premier message, j'aime bien dire, c'est pour moi un des premiers messages qui était très important pour moi, euh, c'était euh, la phase. C'était euh, de me dire, de, de prendre, d'emprunter cette voie-là où, bon, bien sûr, ce n'est pas mon, mon métier principal, mais tu vois, je consacre beaucoup de temps là-dessus. C'était de, de communiquer là-dessus beaucoup plus. J'ai vu en, en sortir du corps les, les, les deux cercles entrelacés et ces deux cercles entrelacés le lendemain mon, une très bonne amie à moi, une soeur spirituelle me, me tend un livre, elle me dit ça doit te plaire je pense que ça va te plaire, elle avait même pas lu hein, pour te dire, je suis tombé dessus, je l'ai pris comme ça euh, peut-être que ça va t'intéresser et cette image là, sur la couverture c'était ouais. les deux cercles entrelacés alors que mon intention de départ c'était de dire, me dire qu'est-ce que je dois faire maintenant d'important dans ma vie et bien le message était là donc ça pour moi déjà c'est un des points de départ qui, qui me... parce que j'aurais pu faire des vidéos depuis beaucoup plus longtemps peut-être tu vois mais j'étais pas prêt j'étais pas prêt hein. on dit toujours ça arrive quand les choses arrivent quand c'est le moment le, le moment le plus ouais. juste quand c'est le moment voilà et du coup ça arrivé ça c'était un beau message ensuite bon moi j'ai eu des messages à l'époque c'était mes grands parents Je bon, je rentre pas toujours dans les détails hein. c'est très privé ouais. mais c'est souvent c'est intéressant je pense que des personnes vont avoir des guides qui se manifestent des personnes ça peut être des anges moi j'ai eu beaucoup euh, beaucoup de fois mes grands parents notamment quand j'étais enfant qui qui dans des périodes un peu difficiles venaient me 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 réconforter et me parler à ce moment là mmh. Euh, D'ailleurs, un des points de départ de tous ces épisodes, c'était le décès de ma grand-mère quand j'avais euh, euh, 6 ans et demi, 7 ans, et ça a commencé là. Donc, je n'avais pas compris tout ce qui arrivait, et c'était des expériences plus dures. Hein, les paralysies du sommeil, aussi une expérience euh, qu'on appelle le, je donne ce nom-là, le noir euh, absolu. Donc c'est euh, une sensation donc de, de tu es éveillé, mais tu es dans un noir total. C'est même pas dans l'espace. À la limite, tu vois les lueurs des étoiles. Non. Un noir total qui presque est oppressant, une impression d'être enfermé dans un placard. Et j'avais en fait, aujourd'hui, hein, j'arrive à associer tout ça, à, à comprendre que c'était lié à, à ma première approche de la mort, la mort d'un proche. Quand mon père m'a expliqué ce qui était arrivé à ma grand-mère, il m'a donné une, une vue positive hein, de la vie après la mort. Euh, la vie après la vie, plus exactement. Ben, en fait, toutes ces expériences euh, se sont arrêtées, ces expériences traumatisantes. Donc euh, j'avais besoin de dormir avec une, une lumière. petite mmh. lumière dans, dans le couloir, elle a plus besoin, euh, tout ça. Mmh. Et euh, non, voilà. Tu vois, j'en parle aujourd'hui avec encore beaucoup d'émotion parce que je sais qu'il y a, a peut-être des parents euh, parmi les personnes qui nous regardent qui ont des enfants. Et, euh, et on ne prend pas toujours le temps de poser les questions aux enfants, de savoir euh, de quoi ils ont rêvé. Est-ce qu'ils ont vécu de chose, euh, des choses intéressantes? Et bien souvent, si vous faites l'expérience, si vous prenez le temps, si vous êtes ouvert surtout hein, à, à écouter d'abord l'enfant avant de juger, avant de dire, euh, tu as déliré ou quoi que ce soit, parce que beaucoup d'enfants se sont retrouvés à l'époque dans des hôpitaux psychiatriques où euh, ont dû consulter des psychiatres, ben aujourd'hui, si vous écoutez l'enfant, il, il va être en mesure de vous raconter des, tout un tas de choses, bien souvent. Mmh. Moi, je fais l'expérience régulièrement. Soit l'enfant a déjà vécu une paralysie du ouais. sommeil, soit il a vécu des réplicides, soit il a vécu, il a rencontré des, 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 des anges, des présences euh, qui lui ont parlé, qui lui disent de, des choses. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, derrière, on peut apprendre à l'enfant, dès l'enfance, quand il a un monstre qui se manifeste, à transmuter ses ouais. peurs tout de suite. Je parle de transmutation parce que je parlais de guérison physique, mais il y a aussi la guérison émotionnelle et énergétique derrière. On peut faire ce qu'on appelle du revisiting. Euh, et demander à revivre des expériences qu'on a vécues, que l'on regrette, et changer la, la, la nature des événements pendant la sortie. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On change l'information, si on parle de niveau quantique, on vient de changer l'information et on est en train de changer de ligne du temps. Oui. Donc euh, l'avenir qui s'offre à nous va être différent. Justement, tu parlais du temps. Euh, quand tu sors en. Quand tu sors, moi je vais pas dire astral, parce que quand tu changes de... Quand oui. tu vas dans une nouvelle phase, ou je sais... <laughs> Est-ce que <laughs> tu voilà, peux est... Tu m'embrouilles avec la phase. Hein. <laughs> <laughs> c'est pour ça que j'utilise toujours le voyage astral encore. <laughs> bon. Et c'est vrai, mais même moi j'utilise... ça À juste titre, je crois qu'il y, y a ce corps-là aussi énergétique. D'ailleurs, les chats semblent... Enfin, beaucoup ah ouais. de chats, les chiens aussi peut-être perçoivent ces corps-là. Moi, je crois aussi au corps énergétique. Mais je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça. Aujourd'hui, on a une aura, elle est là. Est-ce que l'aura se détache ou est-ce qu'elle s'active Est-ce qu'elle s'intensifie Moi, personnellement, je, il m'arrivait de très, très rares fois dans le quotidien de percevoir une ouais. forme de lueur autour d'une personne. Mais je ne suis pas quelqu'un qui voit ouais. les auras de manière continue. Et donc, je ne peux pas dire, euh, témoigner de ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu intensifies peut-être cette partie-là et euh, tu te rends, en fait c'est ta conscience qui va s'activer là qui va se connecter à un champ d'information par ce mmh. corps là tu vois et donc si tu te connectes à ce corps là bah tu vas être en mesure de te connecter ce en physique quantique on dit se connecter au champ ouais. unifié un ouais. champ d'information où passé présent futur tout est imbriqué tout coexiste donc euh, c'est ça qui est intéressant sans dire qu on dit ce qu'on peut voyager moi je dis toujours on peut voyager dans le temps dans mes premières vidéos je disais ça Effectivement, c'était le plus simple à comprendre, mais aujourd'hui, je vois que j'apporte beaucoup plus de questions que de réponses en disant ça. <laughs> oui. Donc, en fait, on est dans le champ quantique et euh, on peut se connecter à des futurs potentiels. Donc, la notion, Donc, euh, la notion voilà. du temps, justement, quand tu sors, est -ce que, est -ce, elle est totalement différente. Est-ce que tu as l'impression de rester différent. longtemps dans l'astral oui, oui, souvent, oui. Oui, quand j'ai les différentes, oui, effectivement, on a bien souvent l'impression de rester longtemps. Sauf les personnes qui sont vraiment, qui ont, moi, j'ai envie de vivre une sortie à tout prix, j'attends ça depuis longtemps, donc elles vivent un moment court. Et leur perception, toutes tes perceptions, hein, de, de, de toute façon, elles vont dire, j'ai vécu un truc, ça a duré trois secondes. Par contre, une personne qui arrive à faire un peu ce qu'elle commence, à, à, ce qu'elle avait prévu dans son plan d'action, elle va dire, ça a duré. Euh, au début, tu, souvent, tu dis, ça a duré des heures. Alors, ça, c'est le début en général, tu, tu dis ça. Plus tu commences à t'expérimenter, plus tu vas te dire Ah, j'ai eu l'impression que ça a duré une ouais. demi-heure. tu vas avoir une notion, en fait, quand même, une notion du temps. Tu as une notion. Mais après, tu vois, j'ai participé à, à une expérience pareille où on demande à tous les expérienceurs hein, qui, qui avaient ces mêmes perceptions d'heures, de, de, parfois, ou de. de, de voilà, de, il voilà, y a des gens, même de, dans de très raca, qui veut dire « J'ai duré au moins une journée, ouais. ça. Bah, en fait, dans l'expérience, on ne demande aux personnes de compter. C'est aussi une technique. Hein, pour entrer dans cet état, tu fais un décompte et tout ça. Mais là, l'idée, c'est qu'une fois que tu es dans la phase, que tu sais que tu es sorti euh, de ton corps hein, biologique, tu commences à compter. Tu avances tu, dans ton expérience et tu comptes 1, 2, 3. Et quand tu perds le, le, le compte, euh, le comptage, tu t'arrêtes tu et tu reprends dès que tu, tu, tu te souviens euh, où tu en étais resté. Et euh, là, bien souvent, les personnes ne dépassent pas forcément 200, 300 secondes. En vrai, et ça correspond à quoi Ça correspond encore une fois à ces micro-phases de, mm. de micro-réveil, ces passages dans le sommeil euh, paradoxal, ces fenêtres. On le sait aujourd'hui d'un point de vue physiologique, on ne peut pas rester indéfiniment dans ce sommeil paradoxal. Mm. Mais, c'est pour ça que je parlais des enfants tout à l'heure, c'est que par exemple, un enfant de moins de deux ans, donc là on n'a pas l'occasion de lui demander euh, de quoi tu es rêvé, mais un enfant de moins de deux ans, d'un point de vue cérébral, euh, il passe 80% de la journée avec des ondes principalement euh, Theta. Les ondes hypnotiques. Et plus tu grandis, bah, tu en as de moins en moins. Mais ça va expliquer pourquoi des enfants, en pleine journée, vont te dire bah, Je parle avec, elle parle avec un être. On dit c'est l'ami ouais. imaginaire. Et euh, tout ça. Mais en fait, elles ont une perception autre déjà. Et dans cet astral, est-ce que tu peux euh, rencontrer des personnes qui sont aussi dans l'astral des dormeurs, comme ils appellent Marco Burn Oui, on appelle ça mmh. les dormeurs. Bah, effectivement, bah, moi je rencontre bien souvent. Encore une tu fois, il hein, hey, y a beaucoup de personnes qui vont, qui vont te dire absolument oui, oui, mais c'est sûr, j'ai rencontré un tel et c'est sûr, c'était bon. Il y en a plein hein, qui vont te dire ça, effectivement. Mais euh, je dis toujours, est-ce que tu l'as vérifié Moi, moi j'aime bien être, rester Alors, pragmatique hein, parce vérifies? que ce pas le tout de voyager et de <laughs> bah, C'est quand tu connais la personne, ah, ouais. de lui poser la question. Et donc, si tu connais la personne, par exemple je, moi c'est les, les régulièrement hein, depuis tout petit je l'ai fait, hein, c'est à dire les premières où je voyais mes frères allongés dans le lit et je croyais que j'étais mort, j'étais enfin, persuadé que c'était pas un cauchemar, hein, je le vivais consciemment, je ressentais tout, je criais dans la maison mais personne ne m'entendait, je vais dans les chambres, je les vois allongés, je dis mais euh, réveille-toi, réveille-toi <laughs> Sylvain, Vincent, enfin je les rêvais et ils ne réagissent pas. Donc derrière, je leur demande est-ce qu'ils ont perçu quelque chose, ils me disent bah non. Alors en même temps dans, dans la réalité astrale ils réagissaient ouais. pas par la suite, en grandissant, je vis des expériences, je rencontre mon père. D'accord Je me balade et je rencontre mon père. Alors je dis, ah, quelqu'un que je connais. Je vais lui parler, je vais voir. Et je fais volontairement, moi j'aime bien faire explorer faire des tests pour expérimenter et pas juste me dire tiens, c'est sûr et prendre tout de manière catégorique. Donc, je pose une question, et je la vérifie en revenant. Est-ce que tu te souviens déjà de m'avoir vu Souvent, mon père me dit, bah non. Peut-être qu'il arrivait de moi, mais le, le oh fameux ouais. processus tu sais, qui inhibe la, la, la mémorisation fait que ça disparaît. Ensuite, est-ce que tu te souviens, si c'est le cas, de ce que je t'ai dit bah, Non, je crois que tu m'as dit ça ou autre chose. Bah Non, bah, en fait, je n'ai pas, euh, pas dit ces choses-là. Donc, c'est intéressant. Par contre, derrière, et là, ça, on peut le dire qu'il y a une vraie interaction avec ces dormeurs, c'est que peut-être qu'on interagit avec une part énergétique de leur être qui est inconsciente. Peut-être qu'on a interagi avec une autre part. On sait qu'il y a le. L'esprit cons la, la, conscient et le subconscient derrière. Donc, on peut peut-être interagir à ce niveau-là. Certaines guérisons ch chamaniques hein, disent qu'on peut interagir avec des corps pour guérir des personnes via des sorties, qu'on interagit avec ces corps subtils. La personne n'en est pas consciente derrière. Maintenant, voilà, Michael Raduga, lui, pendant plus de deux ans, hein, lui, c'est toutes ses sorties. Est, il allait, euh, il allait euh, chatouiller sa, 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 sa grand-mère et systématiquement, il allait lui demander Alors, à cette senti que je suis chatouillé Non. Non, alors qu'elle était chatouilleuse. Ça, c'était des <laughs> expériences ouais. faites et refaites. Donc euh, voilà, on est sur un autre plan vibratoire. Et effectivement, moi, j'aime bien, j'aime bien penser. Et le, je j'ai vraiment une grande partie de moi qui, le croit, mais j ai, j ai, concrètement, j'ai rien pour le, 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 prouver. Tu vois, c'est pour ça que Après, je, 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 je garde. Aussi. C'est pour ça que je, je me garde de, de l'exprimer de cette manière quand je parle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent ça aujourd'hui qui vont me dire mais tu es complètement taille, tu, voilà. Mais j'aime bien me dire qu'effectivement, si on parle d'une partie de notre corps qui interagit, bah, qu'on puisse interagir avec, avec, avec un, un autre, une partie informationnelle, une partie énergétique de l'autre personne. La preuve, c'est que parfois, j'obtiens des informations d'êtres ou de défunts qui ont existé. Et ces informations vont se vérifier. Euh, Enfin, voilà, il y a des, des informations de nature prémonitoire qui arrivent. Donc, est-ce que c'est une information que je capte et qui prend une forme qui m'est familière Ou est-ce que c'est cette forme familière qui vient me l'apporter mmh. Toujours est-il que d'un point de vue de perception, c'est comme si c'est cette forme familière qui me l'apporte. C'est pour ça que des personnes vont être catégoriques. J'ai rencontré un dormeur, il existe, c'est sûr et certain, il m'a parlé, il m'a fait ça, ça, ça. Et moi, bien souvent, ce que j'aime bien, c'est que souvent, quand tu poses une question qui est décalée, un dormeur que tu n'as pas prévu dans qui n'est pas présent à la base dans ton plan d'action, à dire euh, Monsieur X alors que dans ton plan d'action tu tu, tu parles de Madame euh, Madame et C ou autre, il arrive, tu poses une question à rien à voir souvent, moi chez moi il bug comme <laughs> comme si j'avais fait un bug dans <laughs> la matrice bon. quoi. genre euh, voilà et euh, c'est ça c'est enfin pour moi c'est hyper drôle quand ça arrive <laughs> et question bête est-ce qu'on peut faire l'amour à ton avis dans l'astral à l'amour ah ben ça en fait, beaucoup de personnes n'en parlent pas et je reçois les messages comme ça en privé. Ils n'en parlent pas dans le groupe. Ils n'en parlent pas dans le groupe parce que la pudeur, ouais, ouais. c'est une grande ouais, pudeur. Il y a une certaine pudeur, mais euh, je reçois beaucoup de messages en privé. Moi, je vais le dire, en, en, surtout euh, quand j'étais plus jeune, dans, dans l'adolescence, j'allais en rêve lucide, ça c'était courant ça. Je vais le dire. Euh, Michael Raduga, lui, il a passé, euh, pareil, il me disait j'ai passé au moins deux ans à partir de l'âge de 16 ans, non, même jusqu'à l'âge de 20 ans, où euh, dans ses sorties, il disait j'étais au fin fond de la Sibérie, il euh, y avait pas de filles qui s'intéressaient à moi, il y avait moins de filles que d'hommes, ouais. tu vois, tu sais comment c'est en Russie, voilà. Et il disait moi, c'était l'un un des, des, <laughs> un des uniques chemins pour pouvoir euh, rencontrer ouais, euh, des filles. Et du coup, voilà, il me dit alors, moi, pour le coup, j'ai expérimenté. Hein, <laughs> voilà, Et euh, derrière, effectivement, il y, y a quelque chose. Et le cerveau reptilien, pour moi, c'est cette partie-là, de là, nous, très reptilienne, qui, qui interagit quand on entre dans la phase. Donc, ça veut dire que moi, aujourd'hui, moi, ça moi, ça m'arrive plus du tout. C'est-à-dire que je rencontre euh, une personne, pour moi, des femmes, parce que je suis attiré par les femmes, et je dis bien euh, le sexe qui ah, nous attire. Hein. Euh, derrière, euh, s'il y a une femme qui arrive, chez la plupart des personnes qui, qui arrivent et qui ne sont pas élevées d'un point de vue vibratoire, je veux dire. Enfin, on a tous notre part reptilienne, mais si cette part, ce cerveau reptilien est bien présent chez une personne et que tu vois le côté sauvage ressort là, euh, direct elle va se détourner son plan d'action et elle va laisser d'accomplir ses mmh. fantasmes. Ça c'est un truc ah, hyper ouais. courant. Donc ça, euh, notez bien si ça vous arrive. <laughs> vous allez voir que vous arrivez même en rêve lucide ou en sortir du corps si vous suivez la formation Première sortie. J'en ai plein qui m'écrivent et, et je le dis tout de suite, ne culpabilisez ouais. pas parce que c'est le message qui arrive. Si... Vous, euh, vous faites l'amour à, à, à quelqu'un d'autre que votre femme. Hein, je le dis parce que euh, parce que ça, ça arrive. Y a, y a, y a, c'est cette pulsion qu'on va avoir, qu'on va retrouver chez les animaux. Et si euh, moi, le truc, c'est que je médite énormément. Et en méditant, on développe ce qu'on appelle la métacognition, ce qui fait que quand on est en sortir du corps, on est, on est vraiment encore plus conscient. C'est pour ça qu'on parle de niveau de conscience, d'état vibratoire, c'est qu'on est encore plus conscient de l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc je vais totalement faire la distinction, si je vois un autre être, je vais être totalement en mesure de comprendre, d'analyser, de, de rentrer dans tout ça. Parce que l'analyse n'est pas facile, hein. c'est pas facile d'analyser quand on est en sortie. Et cette analyse, je la développe grâce à la méditation en, en journée. Donc on arrive, bah, moi je vois... Je peux voir euh, Miss Monde. Je... Moi, j'ai une, compa... une compagne. Par exemple, je ne vais pas aller m'amuser avec Miss Monde. J'ai un plan d'action défini à la base et je sais mieux. Un grand Mais oui, mais je pourrais. Mais, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pour ça. Je... Aujourd'hui, euh, il m'arrive de faire euh, de cinq sorties. Enfin, en, en même pas de nuit, tu vois. Euh, la dernière fois, j'ai fait trois sorties, un, un, un rêve lucide, une, un faux réveil, et un autre rêve lucide dans la même nuit. Mais il y a des périodes. Des fois, je peux faire une semaine volontairement sans rien. Je vais me reposer et surtout, je ne, veux plus, je ne veux pas faire de sortie juste pour sortir. Mmh. Par contre, qu'est-ce qui se passe C'est que bien souvent, je vais faire un reboot ou un début de sortie et je vais me mettre à voler parce que je n'ai pas de plan d'action. Donc, quand j'ai pas de plan d'action, j'aime bien faire du sport. Donc, des... Il y a beaucoup de personnes qui me disent, raconte tes expériences. Bon, tout ce qui est très personnel, je le On garde dire, pour moi oui. en général. Euh, mais euh, voilà, quand j'ai rien de prévu, j'aime bien voyager. Je me dis, ah, tiens, je vais aller dans tel pays, je vais voir telle chose ou autre. J'aime bien, euh, des fois, aller sur un autre plan dans l'espace, juste pour une nébuleuse ou autre. J'aime bien euh, faire du sport. Et ça, ça c'est les expérimentations. Faire du sport et, et ramener l'effet dans le corps. Parce que je te parlais des stigmates que les personnes ramènent. Mais On sait qu'une personne mise sous état d'hypnose, tu lui fais travailler un muscle par euh, la visualisation. Ouais, ouais. Dans cet état hypnotique ou même en méditation, tu développes du muscle hein, sans, sans actionner euh, ce muscle-là. Donc, j'aime bien faire ça et revenir avec cette sensation que j'ai fait une séance de sport en, en, en comprimé, quoi, en condensé. C'est énorme. Et euh, donc, ouais, faire l'amour, ça c'est très courant si, euh, si la personne n'a pas de plan d'action et qu'elle rencontre euh, euh, Miss Monde là, ou, ou euh, Mister World, ouais. hein, c'est une femme ou autre, voilà, peu importe. Et, euh, et donc, ça c'est courant. Et surtout, les sensations, bah, le dire, elles sont très très puissantes. Ouais, ah ouais, euh, ouais c'est très puissant. Les orgasmes dans, à ce niveau-là sont -ce très. forts. Que dans le monde physique bah, je, Franchement, je ne sais pas si j'ai vécu des orgasmes aussi forts. Hein. <laughs> franchement, je. Bah, c'est juste que c'est instantané, quoi. C'est presque que ça, ça monte pas, ça arrive, ça arrive d'un coup, quoi. C'est tellement fort que quand tu reviens, tu te dis, mais ah, je vais rester, je vais rester, <laughs> tu vois, je vais y rester. <laughs> Et de toute façon, voilà, encore une fois, c est, c est... pour moi, j'ai toujours, c'est les niveaux de conscience qui font que tu vis des expériences ouais. en rapport. C'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est pas dangereux. Si une personne n'est que dans ces vibrations-là, je veux pas dire vibrations basses, mais j'allais dire, d'un point de vue vibratoire, on est plus dans, dans l'ordre du matériel, ouais. le corps physique, les les plaisirs du corps et tout ça qui font partie de notre conscience, la conscience densifiée dans le corps, on est là pour vivre une expérience de chair. Mais du coup, pour moi, je, quand je suis en sortie, mon but, ce n'est pas que de vivre ce type d'expérience. Ça va être de vivre ce que je n'arrive pas à vivre dans mon expérience de chair. Ça va être voler, ça va être voilà, faire, obtenir des informations. Hein, parce que dans les champs d'application, il n'y a pas que la santé il y a obtenir des informations, poser des questions. Euh, et les questions, souvent, se rapportent à soi. Hein. Bien souvent, hein, on pose une question au niveau quantique et on a des informations. Je dis tout de suite, hein, je ne parle pas d'obtenir les numéros du loto parce que vous verrez que c'est très difficile. Hein. Tout ce type d'informations-là, euh, n'arrive pas comme Mais ça. Par exemple, si règles. vous voulez gagner au loto, il quel... oui, ah, y a des règles. Il y a des règles. Euh, par expérience et, et tous les témoignages le montrent. Il y a peut-être des exceptions. Encore une fois, hein, des personnes qui sont capables de rentrer dans, des, dans ces états modifiés de conscience non ordinaires, très spécifiques et très très rares. Mais grosso modo, tu demandes à gagner au loto. Tu à avoir les numéros du loto. Bah, D'ailleurs, il y a l'expérience à laquelle j'ai participé. Hein. Les numéros vont changer tout le temps. Hein. Tu vois as toujours un truc ou tu as une lettre qui vient se mettre au, au milieu ou autre. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, quelle est la vraie nature de ta question quand tu demandes au loto? En fait, l'univers, il ne va pas te donner la réponse comme ça. La vraie question, c'est pourquoi tu veux gagner au loto? Et tu demandes, bah pourquoi? Alors je me pose la question. En fait, je veux me sentir plus libre euh, d'un point de vue financier. Je veux me sentir plus en sécurité. Et donc ta question, c'est comment être plus en sécurité d'un point de vue financier Et là, tu as la réponse. Là, ça peut être euh, sur un écran qui, ça, qui arrive d'un seul coup, ça peut être un guide qui va te donner une réponse, qui va te la donner de manière symbolique, et deux jours après, tu as la synchronicité qui correspond, qui arrive, et tu dis, ah, voilà, j'ai vu ça, et tu reconnectes toi-même. Mmh. D'accord. Donc, bah euh, ouais, euh, écoute, euh, bah en fait, c'est très moral tout ça, en fait. Ouais, c'est comme euh, même une personne qui. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais les personnes qui font des expériences chamaniques, qui vont prendre de la ayahuasca, qui vont faire des sorties du corps d'un seul coup comme ça, euh, elles pourront témoigner qu'elles vivent des fois des, des expériences très symboliques. Bah, très euh, oui. voilà, et, et ça leur parle à elles. C'est ça l'important, c'est que ça te parle. C'est toujours très. très c'est pour ça que ça te change carrément. Après, quand tu reviens du voyage, euh, ton est ça. être est complètement changé. C'est ça. Tu as déjà fait euh, cette expérience de l'ayahuasca non, je jamais pris de substance. Pour te dire, j'ai jamais mis une cigarette, du tabac tout quoi, j'ai jamais mis une cigarette ouais. dans ma bouche de toute ma vie. Donc, euh, non, l'ayahuasca, non, je ne dis pas qu'il y a un problème hein, pour les personnes qui veulent faire ça euh, ou autre, parce que de toute façon, bien souvent, l'ayahuasca, il faut que ça soit encadré. Ouais, je dis toujours, euh, si vous faites ça, faites ça de manière encadrée. Et, et souvent, quand les chamans te disent, de, euh, voilà, tu vas prendre de l'ayahuasca, ils te précisent bien, et je, je le disais tout à l'heure, de partir avec une intention de départ. Ouais. C'est la grosse différence. Les gens qui font des bad trips, souvent, il n'y a pas d'intention de départ et d'un seul coup, tu ouvres des portes. La boîte de Pandore, pourquoi je dis la boîte de Pandore C'est que si tu ne sais pas ce que tu ouvres et que tu as effectivement euh, de, un stress inconscient, des peurs enfouies, elles refont surface. Donc la question, ce n'est pas se dire que c'est mauvais qu'elles refont surface. C'est juste d'être prêt que quand tu vas ouvrir la porte, elles peuvent surgir et justement te dire, comme j'étais préparé, je vais pouvoir prendre le balai, nettoyer ces peurs et tout ça. Mmh. Mais si tu ne sais pas que tu n'as pas prévu, tu dis, moi, ça va être cool, je vais voyager okay. autre et que tu as l'expérience inverse. Bah là tu reviens tu dis c'est ouais. pas bien donc en fait tout est là encore une fois c'est propre à chacun le libre arbitre de chacun est là aujourd'hui je dis toujours que le problème c'est que déjà la substance chimique en elle-même elle va altérer ta conscience ouais. et le but de la sortie les méthodes que j'enseigne je, je, que, que c'est que tu es pleinement conscient de, de, de voilà tu es pleinement conscient de l'expérience que tu es en train de vivre tu n'es pas ta conscience n'est pas altérée tu es en état modifié de conscience mais je veux dire ton état conscient n'est pas altéré derrière c'est-à-dire que tu as un vrai choix de ce que tu veux vivre. Si c'est une expérience qui n'est pas plaisante, tu peux dire, ah, moi, bye bye, je, je passe mmh. à autre chose. Et tu peux mmh. le faire. Mais si tu es sous l'emprise sous d'une substance chimique, c'est la substance chimique qui va déterminer si tu es, ce que tu vas mmh. dire. Mais je te demandais ça pour voir s'il y avait une comparaison de sensation, de réalité, de niveau de réalité entre un. Euh, ouais. voilà, une, une cérémonie chamanique euh, sous, sous ayahuasca et, euh, et un voyage astral. Elle va être très forte. Mmh. Elle va être très forte souvent. Ça dépend déjà de, de, la, de notre état, comment on va tolérer euh, ces substances. Et surtout, je dis que c'est souvent très fort. Pourquoi Pour beaucoup de personnes, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire des sorties classiques, bon, sans méthode. Euh, juste, j'essaie de méditer. Et tu luttes, tu as un début d'expérience. L'ayahuasca, euh, tu ne pas la substance chimique allée dans ton corps et elle agit, et voilà, et point barre. Donc elle agit, et elle provoque l'expérience, et tu atteins une expérience sensorielle, je parle sensorielle, ouais. je ne dis pas la nature de ce que tu vis, sensorielle, qui va être plus forte que si tu ne connais pas les méthodes que j'enseigne. Mais si tu connais les méthodes, bah, tu les vis. Donc aujourd'hui, euh, là, il y a des comparaisons, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà pris des substances, et aujourd'hui, les personnes disent « bah oui, j'ai pas besoin de prendre de substances parce que je peux le vivre sauf que je suis ouais. conscient ». Un exemple, c'est une personne qui m'a dit dernièrement, elle a pris un, une, un champignon hallucinogène, et elle me disait, euh, j'ai vécu l'expérience qui était super au début, puis horrible, puis à nouveau super, et puis à nouveau horrible pendant un moment. Ben là, le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à calibrer d'intention derrière et ouais. à choisir. Aujourd'hui, elle dit, ben là, vais... c'était super intéressant. Mais aujourd'hui, je ne vais pas forcément le vivre comme ça, parce que je sais qu'avec les méthodes, j'arrive à sortir, j'arrive à vivre les mêmes choses d'un point de vue sensoriel, sauf que je peux choisir ce que je vais vivre. Je choisis l'orientation. C'est sûrement plus simple de toute façon. Et c'est plus simple mmh, aussi. Plus. Mais après voilà, encore une fois, le chemin est propre à chacun. Donc, si c'est encadré, je dis voilà, assurez-vous surtout que c'est encadré. C'est pour moi, c'est la, la, la première chose. Et puis après voilà, comme je dis, à nous de savoir pourquoi on fait, on veut vivre tout, tout simplement ce type d'expérience. C'est pour euh, si ce n'est pas pour fuir la mmh. réalité, voilà, c'est déjà c'est déjà un bon point de départ. On va passer aux questions des internautes. Mais Avec avant, plaisir. Je vais passer. Euh... Un petit trailer d'une conférence qui va se passer le 3 et 4 juillet à Belnave avec Dominique Vallée et Vanina Chirinski et c'est moi qui vais le présenter. Bonjour, je vous donne rendez-vous le 3 et 4 juillet à Belnave pour une conférence, la première conférence d'une rive à l'autre, le sujet la vie après la mort. Vanina Parle-nous un petit peu de ce week-end de conférence. C'est un week-end qui sera dédié donc au thème de, de la vie après la mort. Euh, donc, ça se passe au château de Belnave, à côté de Vichy, dans, dans l'Allier. L'idée euh, m'est venue, en fait, euh, après beaucoup de demandes, de réunir donc, euh, plusieurs acteurs qui sont concernés par ce sujet un petit peu délicat, des acteurs qui ont en même temps un regard euh, plein de compassion mais aussi d'humour, euh, parce que l'idée c'est de passer un week-end où on va pouvoir parler de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qu'on n'ose pas exprimer. Les gens vont pouvoir venir et poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Et on a deux intervenants, et puis toi qui nous fait l'amitié de venir justement animer et faire un peu rebondir l'action et présenter au public. Donc les thèmes proposés, donc le premier thème, le samedi, les expériences de Emi, donc que je proposerai. En fait, ça va tourner, le sujet tournera autour du double revers, le double côté de la médaille de faire une EMI. On a souvent l'idée que les Emi... C'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Ouais. On parle que de ce côté-là. J'ai envie de parler des deux côtés et que les gens puissent poser des questions sur ces deux aspects de cette expérience. Et puis aussi, quelque chose qui va directement parler aux émistes. Donc, je, vraiment, je les enjoins à venir à ce week-end. On parlera aussi de qu'est-ce qu'on fait d'une émise une fois qu'on l'a vécu, parfois subi. Et je pense que c'est intéressant. Le dimanche, j'ai l'honneur et la joie d'avoir reçu l'accord de Dominique Vallée. Donc qui est médium et qui peut donc avoir ce, ce contact avec les personnes défuntes. Dominique est quelqu'un d'extrêmement reconnu. Elle a travaillé avec Stéphane Alix sur, sur ce, son ouvrage, sur, sur le son test. livre. Le test. Donc on connaît vraiment Dominique dans ce milieu. Elle est très sérieuse. Je voulais quelqu'un qui soit extrêmement sérieux, pas de grands effets de manche. Elle va nous parler justement de cet aspect de la vie, de l'au-delà, parce que là le contact direct et qu'elle est de l'autre côté de la rive elle-même. Et elle va aussi pouvoir offrir un contact avec les défunts comme elle le fait. Et expliquer aussi ce qu'elle fait, quel est son rôle depuis tant d'années. Et c'est là où tu vas pouvoir justement nous aider et nous accompagner par ton talent justement de, de partage, d'orateur, ton intérêt, ton humour. C'est pour ça aussi que je te voulais dans, dans cette conférence. Parce qu'on a besoin d'amener beaucoup de chaleur, beaucoup d'humour, de détente et puis d'amitié. Je pense que les gens ressentiront ce lien que nous avons tous les trois, d'amitié et de simplicité. Merci beaucoup Vanina. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette première. Alors je donne rendez-vous. A toutes et à tous à Belnave, le 3 et le 4 juillet. Voilà donc rendez-vous le 3 et 4 juillet à Belnave. Alors j'ai oublié de mettre le lien. Euh dans la description de la vidéo, mais bon, dès que la vidéo sera finie, je mettrai le, le lien des inscriptions et des réservations. Pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Allez, on va passer aux questions. Voilà, alors on va commencer par Frédéric. Alors Bonsoir, Frédéric. Quelle <laughs> différence entre un voyage astral volontaire et involontaire un voyage astral euh, involontaire, c'est tout simplement on n'a pas décidé, euh, bien souvent euh, lors de la nuit, hein, au moment où on va se coucher, on n'a pas décidé qu'on allait vivre ça, et on se met à vivre une expérience, à ce qu'on se demande où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est, hein, qu est, qu est en train de vivre, on est conscient qu'on est là, on est dans un espace euh, différent, un environnement différent plutôt, et voilà, ça c'est un, un voyage involontaire. Et le voyage volontaire, c'est qu'on l'a induit nous-mêmes, ça veut dire que... On est conscient à l'état éveillé, on va dire, bah, je vais amorcer un voyage astral, par exemple cette nuit, et euh, je vais euh, essayer de travailler sur tel aspect, de, sur, sur telle phobie, je vais essayer de travailler sur, sur euh, tel problème de santé, je vais essayer d'obtenir une information, d'obtenir une clé. Et là, voilà, il y a toutes les méthodes d'induction, les, les, te les techniques à pratiquer, et on entre dans ce voyage de manière consciente. Quoi. Très bien expliqué. Et volontaire. On continue avec, euh, avec Bob. Euh, Lors de. Bonsoir. Lors d'un voyage astral, peut-on voyager dans le cosmos galactique ainsi que dans des mondes multivers bah effectivement, on peut voyager, on peut on peut voyager comme ça dans l'espace, on peut aller sur d'autres planètes, etc., etc., Il y a des voyageurs qui, euh, comme Mark Auburn. Mark O'Beirne, lui il aime beaucoup hein, justement ce type de voyage avec les consciences extérieures et euh, il essaie de tenir une forme de cartographie. De, 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 des voyages qu'il fait. Moi, de mon côté, je note un peu tout ce que je rencontre. Euh, ce n'est pas spécialement la nature euh, principale de mes voyages. Hein, euh, voilà. Bien sûr, j'ai déjà rencontré des êtres aussi d'ailleurs. J'étais sur de me retrouver sur des planètes, une planète rouge apparentée, hein, selon moi. Euh, une fois, une fois c'était plutôt Mars, une fois Jupiter. Après, euh, voilà, j'ai été sur des planètes où j'ai vu de, 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 des sortes de vaisseaux ou autres. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est des vrais vaisseaux d'un point de vue physique ou autre Encore une fois, je suis sur un autre plan, mmh. donc je perçois une, une réalité euh, différente. Voilà. Donc on peut aller dans le cosmos, on peut voir des. Comme je le disais tout à l'heure, on peut voir des, des nébuleuses euh, de près. Tu peux voir. Euh, voilà, c'est magnifique. Les couleurs, tout ce qu'il y a derrière. Ok, on continue avec Françoise. Alors, le voyage austral peut-il être dangereux C'est une question que je t'ai posée tout à l'heure. Bonsoir François, non, mais tu fais bien de reposer la question. Je sais qu'il y a des personnes qui rejoignent sûrement le live maintenant et donc c'est une des questions qui revient régulièrement. Euh, y a... Le seul danger qu'on va avoir, c'est. De vivre cette expérience de manière non délibérée et de ne pas connaître euh, les, les clés principales euh, qui tournent autour du voyage astral. Pourquoi Parce qu'en fait, on fait une projection de notre état émotionnel. Et il suffit qu'on soit un peu perturbé ou autre, qui fait que derrière, bah, pendant plusieurs heures, parfois plusieurs jours, hein, tu peux passer une mauvaise journée tout simplement parce que tu as vécu un cauchemar. Ça, on a voilà. tous vécu ça au moins une fois. Tu as fait un sacré cauchemar dans la journée, tu n'es pas très bien. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut dire que ça peut être dangereux. Maintenant, euh, ça, c'est pour les personnes qui vont vivre des expériences non délibérées. Elles ne savent pas ce qui leur arrive. Elles ne sont pas forcément conscientes. Elles, elles n'ont jamais entendu parler de sortir du corps, de voyage astral, etc. Ça, c'était euh, les, les premières expériences euh, lors de l'enfance. Maintenant, là, juste le simple fait d'assister à ce live fait que normalement, si vous avez eu les infos principales, vous devez juste savoir que c'est un état modifié de conscience non ordinaire, qu'on est en mesure de créer à l'instant T, c'est-à-dire quand on désire quelque chose et qu'on peut euh, désamorcer une situation euh, qui peut être euh, un peu effrayante si, si elle arrive. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle arrive. Donc le il n'y a aucun danger là-dessus. Il n'y a aucun problème pour revenir. Je le ouais. disais tout à l'heure. On a vu qu'il y avait un gros lien. Euh, pour les sorties hors du corps euh, ordinaire, je ne parle pas des expériences de mort imminente, mais les sorties hors du corps ordinaire, euh, ont... il est plus dur de rester dans l'expérience que d'en revenir. Tu, tu la vois, simple le cordon, intention de le cordon qu'on parle, le cordon d'argent. Je l'ai vu une fois, j'ai vu une fois euh, très nette, de manière très nette, parce que j'ai voulu le regarder. Mais encore une fois, tu vois, je ne parle jamais plus que ça du cordon d'argent, parce que comme je te dis que de mon expérience, on est aussi très mmh. créateur. Donc forcément, si cette fois-là, j'avais envie ouais. de le voir, bah, je l'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? Euh, maintenant, voilà, donc je l'ai vu euh, une fois de manière très très nette, et puis euh, d'autres fois je vois une sorte de, de cordon un peu translucide. Maintenant, euh, quand je fais des sorties, par moments, tu vois, je, je perçois juste une lueur bleue, je suis un être de lumière plus qu'un corps, un corps qui prend la, la, la forme d'un corps physique. Et des fois, j'ai la forme du corps physique, je ressens mes jambes, j'ai l'impression de marcher et pas de flotter, tu vois, c'est différent. Donc le danger, voilà, c'est ça. C'est que bien souvent, on a, on a nos peurs de l'inconnu, la peur de la mort, la peur de ne pas pouvoir revenir. Et une fois qu'on a pris conscience que aucun de, de ces phénomènes ne peut arriver et euh, nous, nous tuer, bah en fait, euh, d'un seul coup, on comprend qu'on peut vivre des expériences extraordinaires et merveilleuses. Mais vraiment, je ne dis pas ça pour euh, vendre le voyage astral. Je dis juste qu'il faut en être conscient. Si ça vous arrive, vraiment, prenez conscience de ça, quoi. Ok, Marilyn. Bonsoir. Ben en Paris, on en a parlé encore. Peut-être que tu pourras apporter un complément. Euh, que peut apporter le, la sortie astrale sur le plan humain Voilà, par contre, elle demande pour tous. Peut-on apporter un enseignement à transmettre à tous On peut. Ouais, mais bien sûr, c'est intéressant ouais. parce qu'on peut... En fait, je disais qu'on a beaucoup d'informations qui, qui, qui nous sont adressées. Mais ces, ad... ces informations qui nous sont adressées par moment, elles vont prendre euh, une envergure plus forte qui peut s'adresser à un plus grand nombre de personnes. Euh, je donne un exemple tu vois une personne on dit toujours ah j'aimerais pouvoir changer le monde mais mmh. comment donc on imagine toujours de devoir faire de grandes actions pour pouvoir changer le monde alors que je sais plus qui disait ça tu peux changer le monde avec des petites actions et beaucoup d'amour et, et, euh, et ce type d'action ces petites informations ces clés qui peuvent être données peuvent être à la base très personnelles et finalement vont pouvoir changer beaucoup de euh, vont pouvoir changer le monde d'une certaine manière je te parlais de la phase ça m'est arrivé à la base je l'ai pris ça comme une information qui était totalement personnelle et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais bah, Je fais ce live avec, avec toutes les personnes qui nous regardent. J'ai fait les autres vidéos, les formations. Et euh, aujourd'hui, il y a des, des milliers et des milliers de personnes qui ont pu avoir accès à, à certaines informations qu'elles n'avaient pas eu l'occasion d'avoir euh, par le passé. Donc voilà, et il y a certaines personnes qui ont des, des, des informations beaucoup plus grandes, c'est-à-dire mets telle chose en place pour... Euh, pour, je sais pas, pour aider plein de personnes. Ça peut être une personne qui, va, on va lui dire, tu mets en place un orphelinat ou un truc comme ça, tu vois. Voilà. Donc, tu vas changer beaucoup de choses. On continue avec Anna. Bonsoir à toutes et à tous. Trop content d'être avec vous ce Bonsoir. soir. On est très content d'être avec toi aussi, Anna. Euh, question. Romain connaît-il le monsieur au chapeau dont parle Johanna Awakening, que j'avais reçu d'ailleurs lors de ses sorties astrales. Tu connais ce monsieur au chapeau Ouais, je sais bon. pas. Dont parle Joanna ouais. Awakening. C'est derrière Joanna. Ouais, non, je je sais pas. Mais c'est marrant, c'est que tout à l'heure j'ai parlé d'un monsieur au chapeau. Ouais, oui, oui. c'est bien. Hein. J'ai parlé d'un <laughs> monsieur au chapeau. Ah, c'était peut-être lui. Et que Mes frères aussi ont perçu. Ouais. Non, mais c'est vrai. En fait, il y a aussi quelque chose. Il faut savoir que quand une personne perçoit quelque chose, parfois elle le perçoit par, ses, par certains filtres. D'accord, par rapport à une symbolique qu'elle connaît. C'est ce qui explique d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Par exemple, une personne, des personnes vont percevoir un ange d'une certaine ouais. manière et d'une autre manière. La Vierge de Marie va apparaître, la Vierge de Guadeloupe va apparaître en Amérique latine, là où on a une autre vision de la Vierge en Occident, par exemple en Europe. Je veux dire. Ça, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Et c'est la même chose euh, par rapport euh, à, à tout ça. Même en paralysie du sommeil, quand on parle de démons, euh, je parle toujours dans, dans toutes les vidéos de, de, de la légende de Panda, Ve Panda Feche en Italie, euh, cette forme de chat poilu avec des ouais. yeux rouges. Euh, dans d'autres pays, ça va être le Karabasan en Turquie, euh, Kanashibari en Japon, l'esprit le, les da d'Atsog euh, euh, au Laos, tu vois, qui est un esprit qui prend possession de ton corps et tout ça. Et en fait, on remarque que quand tu restes dans un pays, la même expérience de paralysie du sommeil va être, va être vécue par tout le monde. Et en fait, ce qui va se manifester va prendre la même apparence mmh. dans ce pays-là. Et en fait, si on nourrit. Et moi, moi, je vais donner une explication là-dessus qui est à la fois spirituelle mais aussi quantique. C'est que on dit que toute pensée que tu es tu crées un égrégore d'énergie. Mmh. Tu la crées ça. Tu, tu, la pensée créative. Et, et, cette, et une fois que tu l'as créé, ça existe dans le champ d'information, le champ quantique, mmh. le champ unifié. Donc si toi tu as une certaine symbolique de par ta culture, l'enseignement que tu as reçu, bah, ce qui va se manifester, va se manifester de manière à ce que ça te parle. Tu penses pas que ce soit les, Le bah, les entités euh, qui se présentent à toi, qui se présentent sous la forme que tu peux comprendre Ça peut être justement des entités. Exactement. Exactement ce que tu es en train de dire. c'est euh, Je pense que les entités se manifestent de manière compréhensible par moment. Et parfois, quand c'est incompréhensible, c'est euh, justement parce qu'on a des peurs. Le parfait exemple, je, te, je le disais tout à l'heure plutôt dans le live, euh, une personne qui va voir un proche, mais elle va voir une forme obscure, comme si elle voyait la personne toute sombre, et elle a l'impression qu'il y a une ombre qui la suit, et quand elle lui fait face et qu'elle lui demande pourquoi tu es là, d'un coup cette personne s'illumine et tu ah. vois, ah, j'ai mon grand-père qui est décédé, qui en fait c'était lui qui me suivait depuis tout ce temps. Ah. Tu vois Donc euh, là, c'est les peurs qui font que tu as un filtre qui t'empêche de voir, de percevoir ça. Et, euh, et encore une fois, hein, toutes les clés, il y a dans toutes les vidéos, la formation, tu peux vraiment avoir ces, ces, ces petites clés qui vont t'aider à, à désamorcer tout ça. Ok, on continue avec Bob. Quelqu'un en retour d'une EMI, ou d'un voyage astral plutôt, <laughs> euh, peut-il revenir avec des potentiels décuplés ah, Alors, les ah ouais. EMI, ça je, alors... ça je sais que oui. Ah, les EMI, oui, ça c'est les Spontaneous uh, Mediumship Experiences. Donc là, des expériences de médiumnité spontanée, ça c'est très courant chez les personnes qui vivent des expériences de mort imminente. Alors des, des pouvoirs ouais. de guérison avec les mains, des, des prémonitions, etc. etc. Euh, si tu vis une sortie hors du corps classique, euh, je dis classique, ouais. c'est-à-dire que euh, tu n'as pas été jusqu'à être aux frontières de la mort, il euh, ben, là, là, y a des personnes qui reviennent avec des, des capacités, c'est-à-dire euh, c'est comme si tu, 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 tu avais ton état cérébral, ton état de conscience, et tu voyais ça comme un muscle. Tu rentres dans un état, tu es habitué à rentrer dans, dans tel ou tel état. D'un seul coup, c'est comme un muscle, tu actionnes, et tu rentres plus facilement dans cet état. Donc, euh, au fur et à mesure, tu vas avoir plus d'aptitude rentrer, pour rentrer dans d'autres états et capter certaines choses. Donc, il est très courant, euh, moi y compris, de, bah, de commencer à avoir, j'ai commencé très vite à avoir des, par moments des prémonitions. Ah ouais. D'accord. Promisions qui viennent, et si je regarde quand est-ce que ça a commencé, ça a commencé assez vite. Avec euh, à chaque fois dans les périodes où je fais beaucoup de, de sortir du corps, euh, l'intuition qui est développée chez certaines personnes, tu as la vision à distance, le remote viewing. D'ailleurs, beaucoup de pers personnes font l'amalgame ouais. entre la sortie du corps et le remote viewing parce qu'elles euh, disent oui, mais tu dois, dois être en mesure de pouvoir vérifier que tu as vu telle ou telle personne. Là, en fait, il s'agit vraiment de, de, de perceptions qui sont différentes dans, la, dans la, le remote viewing donc euh, ouais il y a des personnes qui développent ça moi j'ai il y a eu des périodes où j'ai eu des épisodes comme ça de perception à distance euh, très forte mais je ne les contrôle pas encore tu vois je n'ai pas cherché à, à le travailler et il euh, y a d'autres personnes ça va être Nicolas Fraisse ouais. le fameux cas Nicolas Fraisse je ne sais Bien pas sûr, si, as, si tu as entendu parler j'aimerais beaucoup Ouais, bah lui, lui c'est un cas vraiment très, très, euh, assez rare, hein, ouais. assez euh, unique, même s'il y en a d'autres dans le monde, mais c'est qu'une poignée, il n'y en a pas beaucoup. Lui, il y a plein, tout un tas de choses qui sont qui sont nées autour de ça. La sorture du corps à la, à la base, ensuite les, les projections de conscience en journée, ça veut dire il que c'est il est, il comme si sa conscience était autre part, des fois dans un animal ou autre. Les épisodes de vision à distance, la télépathie, ça veut dire euh, là, il se met à entendre les pensées des gens puis entendre ensuite la, la clairaudience, audience percevoir les, les euh, des sons des, des voix extérieures donc euh, c'est c'est ouais c est, c est courant de, de de voir que certaines capacités certaines aptitudes se développent ok ok on continue d'ailleurs tu as reçu euh, il n'y a pas longtemps euh, donc la personne qui, qui a étudié Nicolas ah. Fraisse, enfin étudié de est façon ça, scientifique c'est ça exactement okay. Voilà, c'est ça, ouais. Sylvie Dettiola qui, qui racontait ça très bien. Dans son livre, je le recommande Voyage aux ouais. confins de la conscience, qui est vraiment un très bon livre pour comprendre un peu tous les états qu'on peut traverser et comprendre que voilà, on peut débattre pendant des heures et des heures sur Ah non, ça c'est une sortie de corps, ça c'est ça, ça. Il faut comprendre qu'il y a un continuum, vraiment, comme elle le dit très bien d'ailleurs, entre tous ces états. Et qu'en fait, en fonction de notre intention, notre, euh, notre mode de vie et tout ça, on va pouvoir à, à atteindre des niveaux, niveaux de conscience plus élevés. Et la nature de ce qu'on va vivre va être, va être en correspondance. Elle fait des sorties astrales, Sylvie de Tulas elle, elle a vécu une fois, elle a dit. Elle a dit une fois, après, quand elle en parlait, c'est comme si elle en avait vécu deux, trois, dans une période justement où elle étudiait beaucoup Nicolas Fraisse. Et elle a dit, mais elle n'a jamais été plus loin. Parce que, euh, pour des raisons personnelles, elle, elle n'a pas appliqué de technique mm -hmm. quelconque. C'était, pour le coup, une, une sortie, une, un voyage astral non délibéré, okay. inconscient. C'était par curiosité. <laughs> ça, ça, t arrives, t arrives. On continue avec Isazen. Bonsoir Romain et Philippe. Est-ce que plusieurs voyages à Stal peuvent fatiguer la physiologie le, 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 le La le plupart des personnes. Oui, oui c'est une très, très bonne question parce qu'il y a des personnes qui disent je reviens des fois un peu oui. déphasé. Alors, ce que je dis toujours, la première chose à explorer quand on, on, on se sent déphasé, c'est déjà l'aspect, toute la base physiologique. Ça veut dire. Avant d'attribuer ce déphasage à la sortie, à tout ça, c'est déjà toute la base physiologique. Ça veut dire la respiration, l'alimentation et l'hydratation. Pour moi, c'est des gros piliers. Et le sommeil, donc le sommeil ouais. récupérateur, quand on vit en voyage, il euh, y a énormément de, de choses qui, sont, qui peuvent être perturbées par tout ça. L'apnée du sommeil. Euh, tu vois, moi, il y a une période quand j'étais plus jeune, je suis sûr, j'ai fait de l'apnée du sommeil pendant un petit moment. Et mes paralysies du sommeil étaient associées par moments à un état d'asphyxie. Euh, je me retrouvais euh, des fois juste sous la couette et je me rendais compte qu'il fallait que je sorte de la couette. Ouais. Tu vois Donc ça, l'aspect physiologique, euh, le repas de la veille, tu vois, je parlais de ouais. l'alimentation. Euh, si tu es en état d'acidose, bon, là, je, je rentre dans le bien-être alimentaire, etc. Si tu es en état d'acidose où tu as une grosse digestion, euh, tu n'as pas respecté les, 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 euh, les aliments, ouais. la, la complémentarité des aliments, la, la dissociation plutôt des, de certains aliments, bah, ça peut faire en sorte que le soir, entre, le soir, entre 1h et 3h du matin, tu as le foie qui, les cellules du foie qui vont se renouveler et tout ça, un nettoyage qui se fait, tu te réveilles, tu te sens déphasé, etc. Donc ça, il y a toutes ces bases-là. Et le stress inconscient, le stress inconscient, on sait qu'il va, il va agir par le biais de la respiration. Bien souvent, 90%, 95% de la population occidentale, en Occident, à une respiration dite paradoxale. Tu, sais, tu gonfles la, la cage thoracique plutôt que d'avoir une respiration abdominale où tu respires avec le ventre. Donc, ça, ce type de respiration euh, se déclenche très spontanément, on l'observe très facilement si vous avez un conjoint ou une conjointe qui est un peu stressé pendant la nuit. Parfois, une, accéléra une accélération de la respiration et euh, toute cette, cette euh, différence d'oxygénation et ce stress inconscient fait surface. Certaines personnes vont avoir du clenching, tu sais, tu serres ouais. les dents, du bruxisme, tu fais ça. Donc tous ces aspects physiologiques viennent perturber la nuit. Et tu sais, les micro-réveils dont j'ai parlé, parfois ces micro-réveils vont être beaucoup trop fréquents chez certaines personnes. Elles vont pas aller dans le sommeil lent et récupérateur et elles se réveillent. Elles disent j'ai fait une sortie. Effectivement, elles ont fait une sortie parce qu'elles flirtaient avec le sommeil paradoxal toute la nuit. Donc elles sont sorties, mais elles ont, à aucun moment elles ont récupéré. À aucun moment elles ont plongé dans le sommeil récupérateur et tu reviens, tu ressors derrière, tu te dis... Ah, je... Empathie. Ah. Donc, je suis désolé, j'ai été très long pour l'explication. Ah je pense que c'est important de préciser que la plupart du temps, quand tu as une bonne hygiène ou autre de vie ou autre, et que tu vis ce genre d'expérience, les personnes qui débutent reviennent toujours avec une euphorie mmh. immense. Ça veut dire, tu dis, c'est super, et tu es en pleine forme. Il peut être 5 heures du matin, tu as vécu ça, tu as envie de te lever, tu as envie de noter ce que tu as vécu, tu as envie de faire tout ça. Et tu étais, en vrai, hein, moi je dis, tu n'es pas déphasé. Tu es déphasé que si euh, tu as ce problème-là et que tu, tu vis quelque chose de traumatisant, je disais, tu vis un cauchemar, un simple cauchemar peut te déphaser toute la mmh. journée, parce que tu es perturbé émotionnellement. Tu peux pas avoir cette sensation que comme les personnes qui, qui sortent d'une du EMI, euh, quand tu reviens dans ton corps, d'être mal ancré, mal comme une comme une oui, chaussette, un, ou tu as mal mis ton pied, tu vois. C'est pour ça que le terme de phase, finalement, il est intér intéressant parce que c'est comme si tu n'étais pas en phase avec ton corps. Tu as, as une sorte de déphasage. Et, euh, et ce temps de déphasage, bien souvent, bah, si, pour les personnes qui pratiquent la méditation, ou, ou etc., on va parler d'ancrage, on va parler de s'ancrer. Euh, si ça vous arrive, bah, pour les personnes qui, qui, qui nous suivent, si ça vous arrive, premier exercice à faire dès le réveil, si ça vous arrive, bah, faites euh, quelques minutes, cinq minutes de cohérence mmh. cardiaque. La cohérence cardiaque, hein, tu connais voilà, la respiration. Inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, abdominale, pas, pas respiration paradoxale. Et en quelques minutes déjà, tu te retrouves. d'ailleurs sur une vidéo sur ta chaîne, d'ailleurs, sur, euh, mmh. sur la cohérence cardiaque. Sur la cohérence cardiaque. Mmh. Ouais. Ben voilà, très bien. En fait, juste ça, hein, je le dis vraiment, mais pour n'importe quoi, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu une sortie du corps pour vous sentir déphasé. Première chose à réveiller si ça arrive cohérence cardiaque, respiration, ralignez-vous et, et vous re-ancrez. Vous ben justement, là, c'est une question sur l'ancrage. Est-ce que le manque d'ancrage peut être un frein fin pour les sorties de corps Je vais y arriver. C'est de la part de Aude. Je dirais que bien souvent, le manque d'ancrage va déclencher beaucoup de, de sorties ah. du corps. Souvent. Souvent. En fait, les personnes qui ne sont pas très ancrées, on, dit, on parle d'ancrage, on hein, ancrage aussi avec, oui. euh, dans notre ouais, chair. Dans aussi la réalité hein, tu vois. que l'on vit euh, dans le bon matériel. Voilà. Et, et souvent... On remarque que les personnes qui ont commencé à le vivre de manière non délibérée, c'est qu'elles étaient très sujettes à leurs émotions. Moi, quand tu es enfant, ça arrive très régulièrement. Quand ça, ça persiste à l'état adulte, c'est que, que tu, es, euh, voilà, tu es très très pâte, bien souvent. Et par moments, bah, on, tu peux manquer d'ancrage. C'est-à-dire qu'à euh, qu ce moment-là, il suffit par moments de, de, de divaguer. Et c'est le cas de certaines personnes qui vivent certains états modifiés de conscience non ordinaires. Qui vont vivre ces sorties par l'ennui, ça veut dire Nicolas Fraisse, c'est totalement ça. C'est ce qui déclenchait toutes ces, ces dissociations. Dès qu'il s'ennuyait dans quelque chose, il partait. Ouais, ça. Soit en sortir du corps, soit en remote viewing, ouais. soit en, en projection de conscience. Donc, chez certaines personnes, c'est l'ennui. Ouais. Euh, chez, chez, voilà. Et chez d'autres personnes, euh, bah, on va dire manque d'ancrage. Et encore une fois, je dis bah, quelles sont les émotions Si, si tu as, as une peur, la peur, par contre, peut te retenir. Ouais. Tu vois Donc, euh, mais le manque d'ancrage, globalement, souvent, c'est des personnes qui vont être qui vont être de, très, de grande nature à voler, tu vois, à s'évader, <laughs> à, à voyager, tu vois. Exactement. On continue avec euh, JM. Alors, euh, on aurait, alors bon, il l'a peut-être pas très bien écrit, mais bon, je vais le lire quand même comme il l'a écrit. On aurait dit à Serge Boudboul, a dit, alors bon, c'est Serge Boudboul, je, je vais recommencer. Serge Boudboul a dit qu'il y avait assez à faire sur Terre plutôt que de faire des voyages astro. Cela devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses bah, ce que j'en dis, c'est qu'encore en, une fois, ça dépend de ce qu'on a envie de vivre. Et surtout, est-ce qu'on est qu connaît les différentes applications du voyage astral Effectivement, si on dit juste, bah, je vais voyager pour voyager, bah, tu vas voler une fois, tu vas voler deux fois, tu vas voler trois fois. Et au bout d'un moment, c'est quoi d'autre bah, C'est ça la question. De se dire, bon, c'est bien beau, mais effectivement, et là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Terre, ouais. d'un point de vue terrestre et physique. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est que moi, par exemple, les sorties, plus j'ai commencé à vivre d'expériences, plus ça m'a donné de clés dans mon quotidien pour me dire, le je me réveille au matin, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire Tu vois, à méditation, tout ce qui arrive derrière, tout ce qu'on fait autour, qu'on veut partager, j'ai énormément d'inspiration. Et, et tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord aujourd'hui avec, avec ce ouais. qui a été dit par Serge Bouboule, mais dans, en ce sens, c'est-à-dire, si tu connais, si tu sais que tu peux faire tout un tas de choses et, et exploiter ton pouvoir créatif, créateur, je veux dire, bah là, tu peux t'en ouais. servir. Parce que tu ne fus plus du tout, mais au contraire, tu t'en sers. Et il y a Einstein, Isaac Newton, euh, depuis l'Antiquité, dans la Grèce antique, même euh, Platon en parlait déjà, parlait de, de, parlait de tout ça. En fait, ça ne sort pas de nulle part. On en parlait encore dans plein de, 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 de sociétés secrètes, de confréries. Pourquoi Et ce n'était pas donné à tout le monde. Parce qu'en fait, tu accèdes à un pouvoir. C'est ton pouvoir, hein. ce n'est pas un pouvoir qui, qui n'existe pas. C'est qu'on te fait prendre conscience de ce pouvoir créateur que tu as. Et derrière, moi, je te donne un, un, un exemple c'est que plus j'ai commencé à vivre de choses et que je me rendais compte que je vivais des choses extraordinaires, plus je me suis rendu compte que j'étais un être divin. Ça veut dire, quand j'ai un être, on l'est tous. C'est ça que je veux dire on prend conscience de notre nature profonde et on se dit, bah, si je suis capable de créer là, qu'est-ce qui m'empêche de créer ici des musiciens aussi à la base moi aussi et l'inspiration d'où on l'appuie on, on l'appuie de l'état émotionnel de nos émotions en partie donc de l'astral. Donc dire que euh, on a tellement de choses à faire et que ça sert à rien non c'est pour moi c'est balayer totalement tout ce qu'il y a derrière et surtout quand je le dis juste déjà prendre conscience qu'on est autre chose qu'un corps physique est-ce que tu as balayé justement cette peur de la mort euh, Moi, oui, totalement. Euh, enfin j'ai plus de, de de paralysie du sommeil, de d'expériences de, traumatisantes. Après, j'ai vécu des choses, euh, bah, des trans... Euh, voilà, <laughs> je peux en parler sur ta chaîne, oh, je pense. C'est problème. Je crois que j'en parle très peu, mais voilà, j'ai vécu de, des des, des trans, euh, à Bali. Ma mère est de l'île de Bali, c'est très courant, et que euh, voilà des des esprits, des, des, qui viennent s'exprimer, ouais, c'est une forme de channeling, hein, du, de toute façon. J'en ai vécu, et notamment d'ancêtres, de, de, de gens de, de membres de ma famille décédés. Donc derrière, soit je suis fou, hein, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Soit il y, y a une vie après la vie, tu vois, une vie avec un roi V. Donc déjà douté du coup, euh, bah, est-ce que je suis de, fou Est-ce que j'étais est train un rêve est que, est-ce que, ce que je dis, c'est pendant, dans, non, c'est très vite. C'est-à-dire que je me suis posé des questions, oui, pas dans le doute en disant que je suis fou. Non, ça, non, jamais. Parce que oh, tu as pas hein. je pas l'air depuis tout petit, Je me suis. Ouais, <laughs> non, bah, <laughs> mais je, je pense que... Par contre, oui, avoir un grain de folie, oui. Tu vois, tu vois la différence entre être fou, fou ouais. euh, d'un point de vue mental, euh, et avoir un grain de folie. La folie, je pense que... Effectivement, je pense que quand tu fais de la musique, tu vas sur scène, tu fais ça. Il faut une certaine folie pour, pour battre la timidité. <laughs> tu vois, bah, rien que pour parler, de, tu vois, de sortir ouais. du corps, de dire je vais voir des êtres et tout ça alors, devant toutes les personnes. Là, je ne sais pas combien on est là ce soir là en voilà, ce moment, il y a mais 400 personnes euh... qui, qui nous regardent. Voilà. Mais voilà. Bon, donc, a, donc je peux passer déjà pour... presque 5000 quand même nous avoir vu. <laughs> ah déjà ouais. Donc déjà je passe déjà pour un fou devant <laughs> presque 5000 personnes, mais c'est très bien. Non, il faut. Je pense que dans la vie, il faut un grain de folie. Et les enfants, d'ailleurs, ont dit garder l'enfant intérieur. Si tu enlèves ce, cette folie à l'enfant, il perd tout. Donc, par contre, se questionner, c'est très bon. C'est très sain pour moi de se poser mmh. des questions. Ben justement, tu parles des enfants. Une question de Lucie. Euh, que savez-vous sur les sorties de corps des bébés dans le ventre de leur maman Avez-vous déjà lu des livres, genre le livre Les Neuf Marches, qui traite du sujet Merci pour votre réponse. J Alors, je, je, je suis désolé, j'ai pas lu les livres. Euh, C'est très intéressant, mais je pense qu'effectivement, déjà très jeune, enfant, même peut-être au stade embryonnaire, effectivement, il y a un lien, il y a des allers-retours. Si on s'en fiche juste aux ondes cérébrales, si on veut être très euh, euh, scientifique, tu vois, si on, on se fiche juste là-dessus, effectivement, on peut dire que déjà, il y a des voyages qui se font. Mais euh, voilà, je ne peux pas apporter plus de, de renseignements là-dessus. Maintenant, si ouais. tu... Te... Ouais, si tu me donnes mon avis, je pense que quand tu fais euh, une, une, une hypnose régressive, ouais. par exemple, pour retourner dans tes vies intra et que tu as les gens, moi, je n'en ai pas fait personnellement, mais euh, pers j'ai fait lors de méditation, par contre, des régressions. Et effectivement, quand tu reviens en arrière et que tu vois que tu peux même remonter jusqu'à une vie euh, antérieure, alors encore une fois, je passe encore une fois pour un fou, peut-être, mais on oh, y croit, on n'y croit y en pas. Là. Voilà, <laughs> au point où j'en suis, voilà. Toujours est-il que, de toute façon, il y a même à ma décharge, il y a énormément de personnes dans tous les milieux, à la fois spirituels, mais aussi de, de, dans, en sciences. Hein, je pense à Philippe Guimant et d'autres personnes qui en parlaient déjà. Hein. Euh, bah effectivement, si tu arrives à faire une, ré, une, une régression, de revenir en arrière et de revivre certaines choses, de voir des expériences de dissociatives ou autres, bah, je pense que déjà à l'état embryonnaire, tu es en mesure ouais, de le faire. Complètement. On continue avec Joël. Quelle protection faut faire lors d'une sortie astrale pour ne pas qu'une autre âme se réincarne dans notre corps vide et de ne pas pouvoir revenir ouais, Ça c'est ce qu'on appelle walking, le walking. Ouais. C'est ouais, le walking. Mais ce phénomène en voyage astral, en sortie de corps ordinaire. Encore une fois, je dis ordinaire. Je ne parle pas d'expérience de mort imminente. Tu vois où on peut, on peut émettre, on peut se et mettre un doute là-dessus, mais en sortir du corps classique, il n'y a pas ce risque-là. Par contre, oui, effectivement, mettez une protection si vous le désirez, et surtout si vous y croyez. Je en vous encourage encore plus à mettre une, une protection. Si vous croyez aux entités, si euh, vous croyez en tout ça, si vous croyez à, 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 qu'il peut y avoir, un, je sais pas, moi, un, vous arrivez dans le bas astral. Si vous croyez en tout ouais. ça au bas astral, je l'ai dit tout à l'heure, tu vas te projeter où tu où tu émets ton intention, ou du moins ton stress et ta peur inconsciente t'y emmènent. Donc là-dessus, mettez des protections. Les protections, c'est très simple. Tu peux te mettre dans un œuf de lumière, une bulle de lumière, te dire j'ai un bouquet de lumière. Euh, savoir aussi juste je, la, la clé que j'ai donnée tout à l'heure, savoir que le moindre événement un peu effrayant qui se produit, si, si ça vous arrive, encore une fois, on parle beaucoup de ça depuis tout à l'heure, on met l'accent dessus, mais en vrai, ça ne représente pas du tout la majorité des expériences, mais si ça arrive, bah, il suffit juste de se dire, ah ok, je peux créer, bah, je, veux, euh, je pense à un événement. Euh, où, euh, je pense à l'amour par exemple juste de penser à l'amour à, à une, une vibration haute ça désamorce mmh. la situation instantanément bon bah c'est rassurant tout ça <laughs> ouais, donc euh, donc la question mmh. se protéger à ce niveau là voilà on peut se protéger ensuite le walking ouais. je l'ai dit tout à l'heure on est à un niveau émotionnel il n'y a pas de risque d'âme de, de possession directe par contre il tu vois on en parlait avec sylvie d'éthiolaz et c'est intéressant de recevoir des personnes comme ça aussi parce que moi de toutes les personnes que, qui m'écrivent j'ai plus eu l'impression d'avoir libéré des personnes qui étaient en proie à ce genre de choses. Ouais. Des personnes qui disaient J'ai l'impression d'avoir été mmh. possédé. Une personne qui m'écrit du Mexique, qui me dit Là-bas, on a été. On dit Attention, il ne faut pas attirer le, les mauvais esprits, etc., etc. Et je lui ai expliqué Il bah, y a une paralysie du sommeil. Tu fais ça, tu désamorces la situation. Et du jour au lendemain, il dit bah, J'ai réussi. Maintenant, comment je vais pouvoir expliquer ça à mes parents, euh, mmh. à mes parents tu sais, euh, dans les cultures, ouais. voilà, comme ça, qui sont, qui sont euh, très ancrées dans les traditions, euh, tout ce qu'on qu véhicule à, à travers ça. Et du coup, bah, tout ce que je peux dire, c'est que derrière, y a, y a, moi, à titre personnel, j'ai pas eu une seule, un seul retour d'une âme qui prenait la place de, de l'autre. Par contre, effectivement, il y a des gens, on dirait, il y a des gens dans les hôpitaux psychiatriques, mais les gens dans les hôpitaux psychiatriques, c'est qu'à la base, il y a une faille, pour moi, euh, psychique, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont faites, hein, où on étudie des personnes schizophrènes par exemple ou des personnes qui ont des certaines psychoses en hôpitaux psychiatriques et on évalue le niveau de conscience par rapport à une personne qui vit des sortures du corps euh, classiques et on, on voit bien qu'il y a une vraie différence là-dessus. C'est étudié ça différence. scientifiquement Il y a des vrais. Il y a oui des enfin, vrais des dis, encore le terme scientifique, non, le mais terme mais scientifique est très. Par des très scientifiques euh, euh, de, classiques oui, des, 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 psychi ouais, des, des psychiatres, des euh, dans les neurosciences. Hein, dans, on étudie enfin euh, il ce phénomène il est étudié au niveau des neurosciences. Au niveau, euh, je dis beaucoup dans les centres du sommeil, donc euh, les, à ce niveau-là, au niveau des, des beaucoup de psychiatres, donc les psychiatres qui sont reconnus comme des médecins, je ne parle pas de psychologues, Alors, il y a des psychologues aussi, et, euh, et aujourd'hui il y a des protocoles avec des machines, hein. on étudie parfois, donc je disais tout à l'heure, les, euh, les euh, électroencéphalogrammes, on va étudier euh, les, ondes du so euh, les, les ondes du sommeil, il y a les HeartMath Institute, tu vois, Joe Spencer, docteur Joe Spencer travaille beaucoup avec et, et lors des expériences nocturnes justement euh, où des personnes relatent des expériences transcendantales des sorties ils observent tout un tas de choses au niveau du cœur le champ électromagnétique qui s'agrandit tout ça il y a des choses qui sont vraiment étudiées mais je pense qu'on est juste aux ouais. prémices de, de tout ça et aujourd'hui euh, il y a énormément de scientifiques qui, qui commencent à en parler euh, de plus en plus de manière ouverte parce que je le disais le terme la phase est reconnu et utilisé dans... Ouais. Dans des, revues, dans des publications scientifiques. Ça veut dire que ça, ça a passé plusieurs étapes avant d'être approuvé. Voilà, ça veut dire qu'on n'a pas enlevé le terme, on n'a pas modifié tout ça. Bah, ils ont euh... enlevé le terme voyage astral. quoi. <laughs> non, mais, euh, oui, le terme voyage astral, ils, ils utilisent la phase. Par contre, derrière, dans les revues, dans, dans, dans les écrits, ils disent ce qui a été communément appelé voilà. voyage astral, sortir du corps, là, ouais, tout, tout, ça, tout ce qu'il y a derrière. Et, euh, oh. Voilà, tout est à l'étude aujourd'hui. Hein. Et le walking, tu vois, plus exactement, tu vois, ce qui a donné naissance, ah, moi, je m'étale encore sur le ce qui a donné naissance à tout ça, c'est que dans notre vie, il y a des moments où on va tous passer cette nuit noire de l'âme, un moment de, de destruction un peu dans notre vie. En alchimie, on parle de l'œuvre noire, qui fait que d'un seul coup, on a l'impression de tra traverser un tunnel sombre. Et, euh, et derrière, il y a la renaissance. On renaît de nos cendres, comme ouais. le phénix, c'est l'œuvre blanc en alchimie. Et, euh, et on a l'impression d'être quelqu'un de nouveau, de renaître, à faire un rebirth, tu vois. Et derrière, le walking, à la base, c'est ça. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il peut y avoir une conscience extérieure, une, une autre conscience qui vient euh, s'incarner en nous, qui a passé toutes les étapes préliminaires de la naissance, de l'enfance, etc., parce qu'elle a avancé, et qui vient euh, vivre ces, cette expérience avec nous et qui vient fusionner avec notre conscience. Tu vois. Le walking, à la base, ça vient de là. Mais aujourd'hui... Avec tout ce, qui est, tout ce qui est dit autour du voyage astral, etc., ce qui est enrichi dans les films, les séries, je pense à mon Ami Adèle. Alors, attention, si tu laisses ton, ton corps vide, il bah, y, y a une âme qui arrive derrière. Okay, ok. Mais je pense que ça ne peut pas arriver si tu n'as pas de faille psychique. Dans les hôpitaux psychiatriques, c'est qu'il y a une faille psychique derrière. On continue avec Valérie. Est-ce que Romain peut nous décrire la sortie astrale qui l'a le plus marquée Pff, Sortie astrale qui m'a. Non, très okay. honnêtement, j'ai. J'en ai, ai beaucoup très fort d'un de, de, point de vue euh, émotionnel et sensoriel. Moi, j'ai je, je, parlé tout à l'heure d'un point de vue de la santé, c'est clairement ouais. les allergies, parce que euh, du jour au lendemain, bah tu sais, tu passes d'un comprimé, le spray tous les jours à rien, tu vois. Enfin, je, je l'ai fait trois fois en vrai, en quelques jours, hein. en, en l'espace d'une semaine, tu passes de, 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 de comprimé de médicaments tous les jours à plus rien. Donc ça, ça m'a vraiment marqué parce que là, j'ai découvert là, c'est vraiment l'expérience qui m'a qui m'a montré à quel point le pouvoir créateur, l'effet placebo, on pouvait, je pouvais m'en servir en méditation aussi, en journée, tu vois, régulièrement. Et tu vois, aujourd'hui, je l'utilise tout le temps. Donc ça, ça m'a changé mmh. la vie, clairement. Ouais. Euh, les expériences ensuite, c'est plus jeune, les expériences, de, les rencontres, tu vois, de rencontrer des défunts. Suite à tout ça, j'avais rêvé de beaucoup de choses. J'ai bon, rêvé déjà de la mort de mon grand-père. Ça, c'était avant, hein, quand j'étais plus jeune. Ensuite, il a apparu régulièrement. Ça, c'était plus des rêves lucides, hein, mais qui m'ont énormément marqué régulièrement parce que je sens la présence, je sens, quand il m'enlacent, tu vois, je sens la présence, c'est hyper réconfortant. J'ai parlé de guérison physique, mais je, je le redis, c'est des guérisons émotionnelles qu'on peut vivre derrière, hein. vraiment. Aujourd'hui, on, on s'en sert, dans les, je te disais, d'un point de vue thérapeutique aux États-Unis, c'est hyper courant, ils utilisent ça pour, euh, pour se débarrasser de phobie hein. Ton plan d'action, tu peur des araignées, tu es prêt à vivre l'expérience, ton plan d'action, tu dis, je vais faire face à une araignée. Donc, euh, tu arrives, tu fais face à l'araignée, tu dis, j'ai compris que... Que je te projette, euh, je, projette cette, je te projette, toi, la grande araignée qui est devant moi, euh, c'est mes émotions. Aujourd'hui, pourquoi j'ai peur de toi Tu poses tout un tas de questions. Cette araignée, elle prend une autre forme, elle diminue et tu t'es littéralement débarrassé de cette phobie. Ouais. Donc, euh, moi, une autre expérience, c'est le revisiting. -re je ne vais pas rentrer dans les détails de cette expérience, mais c'était avec, euh, avec euh, une ex-compagne. <laughs> voilà, quelque chose que je regrettais, tu vois, d'avoir dans, dans le vécu. Et, euh, et qui, clairement, euh, ça faisait, je traversais cinq années où je savais que j'avais un blocage là-dessus. Je sentais j'étais arrivé là. Et en fait, j'ai fait un revisiting, j'ai revécu euh, l'expérience passée. Et, euh, et arrivé à, dans, dans, dans l'échange, en fait, j'ai changé la nature de, de, de mes mots, de ce que j'avais dit par le passé. Et euh, bah c'est dur à décrire quand on ne le vit pas. Ouais. C'est assez ineffable. On n'a pas les mots, mais on se sent traversé d'une énergie, mais très forte. Moi, elle arrive d'en haut. Quand ça m'arrive, c'est Ça, c'est quelque chose que tu avais demandé avant, à le vivre, et que tu avais. J'avais demandé à, 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 à revivre. Voilà. J'avais programmé ouais. de revivre l'expérience. j'avais je, je, je pas prévu les mots hein, que j'allais dire. Je, je savais juste que c'est quelque chose qui me bloquait. Et si on te demande aujourd'hui, est-ce que tu aurais aimé, aimé vivre cette chose d'une manière différente ouais. Bah Là, c'est ça. Donc là, j'ai dit, j'aurais aimé vivre la, la chose d'une manière différente. Ce qui est intéressant, c'est que pour une des, des très rares fois, je me suis vu d'abord dans un premier temps. C'est-à-dire, j'étais en sortie et j'ai vu la scène où je me voyais avec elle en train de se, dé se dérouler, et j'ai fusionné avec le moi de la scène pour être dans la scène. Et là, euh, bah, c'est-à-dire, encore une fois, au même titre que les médicaments, je suis revenu avec cette, cette énergie qui m'a traversé. Et du jour au lendemain, je me dis, ça y, ça y est, c'est changé, j'ai tout, dé tout débloqué. Il n'y a pas de mots à, à, direct pour décrire l'expérience, mais tu as l'impression que tu es quelqu'un de nouveau, tu es changé, tu viens de faire un walking, tu ouais, vois. Oui, c'est ça. <laughs> ouais, ça. En plus, oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je venais de d'écrire quelques jours auparavant ce que j'avais décrit comme euh, ma nuit noire de l'âme. Je disais, j'avais vécu ça. D'ailleurs, le lendemain, la première chose que je vois sur les réseaux sociaux, c'est euh, la nuit noire de l'âme, l'œuvre noire chez les alchimistes, tu vois, ouais. ils parlaient de tout ça. Je venais de vivre la seule, peut-être la seule et unique nuit de, de depuis mon adolescence où j'avais l'impression d'être dans un état total de dépression. Et moi, je suis quelqu'un qui a la joie de vivre et tout ça, ça vient de nulle part. Tu vois, je, ça, c'est quelques jours avant. Je vis ça, je vis l'œuvre noire dans la foulée. Enfin, j'ai quelques jours avant, juste un peu après, j'ai l'impression d'être quelqu'un de nouveau, quoi. Tu vois, totalement nouveau. Et d'ailleurs, ce qui a déroulé derrière dans ma vie. Euh, ce que j'arrivais pas à tirer dans ma vie depuis un moment, bah, je l'ai attiré dans la foulée. Ouais, ouais. Alors on continue avec Maïs. Euh, Est-ce qu'il corrobore la... Excuse-moi, il y a bon. des choses très très fortes, les expériences aussi euh, des euh, euh, rencontres avec des êtres euh, d'ailleurs. Voilà, On y croit, on n'y croit pas mais euh, euh, des êtres euh, extraterrestres. Voilà. Je ne l'ai pas fait autant que Marco o'byrne parce que ça ne fait pas souvent partie de mon, de mon plan d'action mais je l'ai fait. Et la toute première fois, c'était d'abord la plus impressionnante au début parce que c'était la première fois d'être sorti de mon corps. J'avais demandé à ce qu'on me sorte de mon corps mais qu'un être venu d'ailleurs me sorte. Il de avait le corps humain D'abord de la nuit euh, non, non, il avait la forme d'un. Bah, c'était un petit gris, quoi. Je ne sais pas si vous si vous avez vous êtes familier avec oui, ces expressions. Oui, oui. Voilà, Je avec... pense que sur ma chaîne, bon, ils, ils se <laughs> Voilà. On continue <laughs> avec Maëlys. Est-ce qu'il corrobore la version des possibilités de changer notre futur selon la théorie de Philippe Bobola et de Philippe Guillemin euh, totalement je pense qu'on est en mesure de toute façon l'information prémonitoire qu'on reçoit des fois hein, ça re rejoint aussi Romu Romuald Le Terrier qui, qui travaille d'ailleurs avec Philippe Guimond qui parle justement de cette, euh, euh, du fait que notre moi d'un futur potentiel sur lequel on est peut-être aligné potentiellement à un moment va nous envoyer une émotion tellement forte dans le présent et là quand on est dans le plan astral dans le... en sortie on va, on va être en mesure de recevoir ce type euh, d'informations et d'émotions et donc effectivement, si on est, euh, comme je disais, créateur, avec les, en fonction des questions qu'on pose ou autres, euh, on va obtenir des réponses qui vont nous orienter vers un futur que l'on désire, que l'on a choisi. Tu vois, mmh. si je disais d'être sur le bateau en pleine mer, et là tu mets un cap à ce bateau. Tu n'es pas euh, soumis aux vagues qui déferlent. Tu choisis vraiment euh, comment tu vises ta voile et, et le cap que tu lui donnes. Quoi. Donc euh, tu t'alignes au futur potentiel hein, qui, qui t'intéresse le plus. Mmh. C'est comme ça, en grande partie, que fonctionne la loi d'attraction dans mmh. la vie, de manière générale. Hein. Mmh. J'en suis convaincu, moi aussi. <laughs> ouais. On continue avec Béatrice. Avez-vous des conseils sur l'alimentation pour favoriser les sorties de corps pour débuter Oui, il y a des conseils. Alors, il y a des chocolat. aliments qui sembleraient... Voilà, c'est ça, le chocolat. <laughs> alors, chocolat noir, hein, plutôt. Euh, vraiment, c'est le côté cacao. Hein. Après, euh, en pleine nuit, des fois, on va... On peut dire à une personne de prendre un petit élément sucré, mais là, c'est pour d'autres choses. Si elle se réveille en pleine nuit et qu'elle est dans l'intention de vivre une sortie hors du corps avec les techniques que j'enseigne, il faut connaître les techniques que j'enseigne pour pouvoir l'utiliser. Si cette personne veut un petit supplément pour s'endormir un peu plus vite, tu prends un petit élément sucré qui va aider à ce moment-là, mais pas une ouais. tonne de sucre, notamment le chocolat, ça en fait partie, qui va t'aider à, 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 à te, tu vois, te shooter suffisamment pour t'endormir plus rapidement et déclencher plus facilement les, les sorties avec les techniques. Il y a la banane. Ah bon? Euh, la banane avant de dormir, et paraît. Voilà, euh, moi j'en prends de temps en temps aussi. Je pourrais pas dire si c'est ça qui, qui m'aide parce que vu que j'en vis assez régulièrement, je pourrais pas dire ah, tiens là j'ai pris une banane, je sais que c'est ça qui m'a aidé parce que sans la banane mmh. j'y arrive aussi. Mais euh, la banane. Après on parle de les, tout ce qui est noix, les oléagineux, beaucoup de ouais. noix, voilà, d'amandes, etc. Vont aider. À, à En fait ça stimule certaines parties du, du cerveau, je, notamment les processus de mémorisation, tout ça. Et, euh, et par rapport à la mélatonine, euh, il voilà, y a, y a tout. vous pouvez taper sur Internet, les Aliments qui favorisent la sécrétion de mélatonine. Par contre, voilà, je mets une différence avec la mélatonine que tu vas prendre en, 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 en comprimé. En comprimé ouais. tu vois Encore une fois, il y a une grande partie de ces comprimés. Quand tu prends tout ça, si tu bois derrière de l'eau, tu vas drainer, tu vas l'évacuer, tu ne vas pas réellement l'absorber. L'effet la, la, direct, il n'est pas hyper euh, hyper flagrant. Ah, ah. euh, Maïlis qui demande Comment. Ah comment la peur de la souffrance ne l'arrête pas Je ne comprends pas trop la question. Euh... Est-ce que... La peur de est la que... Su... Est comment la peur de la souffrance ne l'arrête pas, tu veux dire Alors, est-ce que, Mélis, tu veux dire, par exemple, si tu as peur de souffrir, euh, est-ce que ça va provoquer un retour Je ne enfin, sais pas exactement. En tout cas, ce qui est sûr... Il y a cette phrase bah, oh, rien, chose fait... qui me vient. J'ai une autre question. Ah, oui. Est-ce que quand tu souffres, quand tu es malade, euh, tu peux facilement partir dans l'astral bah, pour plus souffrir, tout simplement. Ah, c'est intéressant, ouais. Il bah, y, y a des personnes, effectivement, qui ont une des formes de souffrance, et comme je dis, même dans le quotidien, il hein, euh, y a beaucoup d'enfants battus, des, des enfants qui subissent des, des sévices sexuels. Hein. Aujourd'hui, il y a des témoignages hein, de personnes qui m'écrivent, qui, qui ont vécu des sévices, et qui déjà ont commencé les premières dissociations euh, étant enfants. Les premiers voyages ils ont, ils ont, euh, ont commencé comme ça. Donc... Euh, il y a des mécanismes, hein, de toute façon, euh, qui, qui nous aident. Déjà, la douleur elle-même. La douleur, à la base, c'est quand même un mécanisme qui, est en train de, qui dit à notre corps, attention, il y a quelque chose qui peut être dangereux pour, euh, pour l'intégrité de ton corps physique. Maintenant, on sait qu'il y a une grande partie qui est psychologique. C'est ce qui fait qu'aux arts martiaux, on te demande... Euh, tu vas taper sur ton, ton ami là, volontairement euh, à un endroit. La personne, elle est prête à encaisser. Elle va rire du coup qu'elle a reçu. Par contre, tu te retrouves en situation réelle. Tu as le même coup, mais tu t'y attendais pas. Tu vas dire, ah, j'ai eu super mal. Donc là, c'est l'approche de la douleur qui est différente. La souffrance, il y a quelque chose de fort par rapport à la souffrance. C'est que déjà, la peur de souffrir, comme le dit Paolo Coelho, est plus forte que la souffrance elle-même. Donc, quand tu c'est pour ça que quand tu vis. Euh, un voyage à la base, si tu le vis pour ne fuir cette souffrance, encore une fois, est-ce que tu vis pleinement cette souffrance Est-ce que c'est... Mmh. Voilà. Et c'est un moyen, effectivement, d'aller mieux. Il y, a des, il y a des personnes qui ont des handicaps, qui vont utiliser la sortie du corps pour pouvoir, euh, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir marcher. Des personnes qui ne peuvent pas marcher, qui, euh, qui vont voler. Et c'est magnifique pour elles. Et On les est aveugles. Est-ce que tu as de connaissances d'aveugles qui, qui... Les voient... aveugles, moi j'ai des, des commentaires de malentendants. Mmh. Malentendants qui entendent en haute définition. Par contre, on en parlait avec Sylvie Deschuyler, qui a eu euh, très peu de témoignages, mais elle en a eu de, de malvoyants ou d'aveugles qui eux disaient voir. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est que voir, sachant qu'ils n'ont jamais vu Ils décrivent de voir des voilà, formes, dur de voir des de couleurs, chose voir tout ça. Et pour par contre, les malentendants, ça, j'ai ça, eu euh, une personne qui, a, qui, a per... qui, qui est devenue malentendante euh, avec les années. Donc, du coup, elle dit bah, Je vous entends comme mmh. j'entendais avant, en très haute définition. Mais euh, voilà, voilà pour euh, okay. la peur de souffrir. Donc, voilà, est-ce que, est que des fois la peur de souffrir va te faire te, te dissocier Mais par contre, quand tu es en sortie, si tu souffres, il y a des mécanismes qui te font revenir tout de suite, en fait. Mmh. Hein. Tu ne restes pas en souffrance euh, en sortie. Ok. Leïla qui demande, est-ce que le somnambulisme a un rapport avec les sorties hors du corps Et c'est un débat, il y a des gens qui disent que ça n'a rien à voir, moi je pense que c'est un lien. Concrètement, j'en ai fait aussi, d'ailleurs petit, comme par hasard, ouais. j'ai vécu toute la panoplie, donc pour moi ce n'est pas anodin. Euh, D'ailleurs, euh, sur la chaîne Face Today, euh, en français, justement, que j'anime aussi, où, où je, ra je rapporte plusieurs euh, études scientifiques là-dessus ou des, des rapports euh, autres, des parutions dans les magazines, on parle de, de somnambulisme. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que le somnambulisme. Je, je disais tout à l'heure que quand on entre dans le, le sommeil paradoxal, il y a cette information qui est véhiculée aux cellules de la moelle épinière pour dire le corps doit rester immobile. Et, euh, et il y a des expériences qui ont été faites sur des souris. Je sais plus dans quel pays, je crois que c'était au Japon, où on, on s'est rendu compte que quand on inhibait euh, cette information, ce passage d'information, bah, les souris, en, en sommeil, se mettaient à marcher. Donc elles faisaient concrètement du somnambulisme. Donc il y aurait un lien, une forme de dysfonctionnement par rapport à ça, ce qui fait que notre corps du rêve, hein, comme on, parle, on en parle en Amérique, les Amérindiens en parlent et puis dans d'autres cultures, ce corps du rêve qui voyage quand on rêve, hein, bah, si la, la, la paralysie n'est pas effectuée, si le, le message n'est pas véhiculé à la moelle épinière de, de maintenir le corps immobile, bah, on va se lever et euh, au lieu d'être dans le voyage, on Parfait. va se mettre à marcher. Donc, effectivement, je vais quand même dire aux personnes je le dis, on disait il n'y a pas de danger, bah, je pourrais dire que toutes les personnes qui sont sujettes au somnambulisme, ne commencez pas à vous dire tout de suite je vais vivre je vais essayer de vivre l'expérience. Dans, dans un premier temps, pour prenez conscience de l'aspect émotionnel des choses. Libérez-vous de tout ça. Voyez si déjà ça limite vos expériences de somnambulisme. Et après seulement, vous pouvez essayer d'expérimenter la chose. Ok, on continue avec Franz. Euh, Franz, Franz. Est-ce qu'on peut parler en astral Est-ce que bon, je pense que c'est de la télé télépathie, oui. peut-être non Oui, tu peux parler de manière orale dans perception ah ouais ou télépathique. C'est-à-dire orale. Ce qui est intéressant, c'est que euh, S'il y a des personnes qui font des, des sorties et qui n'ont jamais essayé, c'est de chanter, par ah. exemple intéressant. Tu vas découvrir une voix et parfois ta voix elle est différente en sortie. Des fois ta voix euh, elle est magnifique. Parfois tu vas voir prendre une voix mais totalement différente. Et souvent, moi bien souvent, il y a souvent une sorte d'écho et des réverbères. Ouais, D'accord. Ouais, ça c'est marrant ça. Ouais, ouais, ouais je, bah, tu peux composer, tu peux faire plein de choses et, et voilà, tu, tu reçois de la musique comme ça. Moi, j'ai déjà, toi en tant, en tant que musicien, on peut en parler, mais je suis revenu déjà d'expérience où j'ai capté la, une musique. Bah derrière, j'ai tout de suite retranscrit euh, tous les accords que j'avais, euh, toute la musique, quoi. Enfin, une partie du moins. On continue avec euh, avec Dan. Romain peut-il donner des conseils pour se détendre avant une tentative de sortir de corps et éviter de basculer dans le bas astral Pareil, hein je le disais tout à l'heure. Est-ce que est si on y croit évidemment Première <laughs> chose, comme je dis, euh, si vous croyez aux ancrages, aux, aux, euh, aux, euh, de se créer une bulle de lumière, un œuf de lumière, va bah faites-le. Si vous croyez euh, au pouvoir des pierres, moi je crois de hein, toute façon à tout ça, à toutes ces choses-là. Hein, je le dis, même si j'en parle pas ouvertement, parce que enfin, j'en parle pas toujours publiquement, parce que j'aime bien que les gens euh, euh, utilisent leur mode de fonctionnement aussi. Hein, euh, voilà on, je veux pas bouleverser les croyances de chacun comme ça si vous croyez au pouvoir des pierres des pierres protectrices mettez-les à côté de vous et donc on disait pour, ce, pour éviter de basculer dans ce bas astral donc cette projection finalement pour moi du stress inconscient des peurs inconscientes faites cette bulle de lumière faites de la relaxation euh, cohérence cardiaque avant de dormir euh, faites de la visualisation positive euh, etc et vous allez voir ouais, avec cette visualisation positive euh, vous allez pouvoir vous en servir justement pour euh, pour essayer, si possible, d'éviter le bas astral. Maintenant, et je le dis, je vais pas me mentir, on n'est pas à l'abri, hein, je, je le dis même si ce n'est pas du tout une majorité, on est loin de là, mais euh, on n'est pas à l'abri d'avoir fait tout ça et d'arriver dans un endroit obscur. Déjà, premièrement, on n'en a pas parlé, je vais en parler, la cécité astrale, c'est quelque chose de très courant et que les gens font de l'amalgame avec le ouais. bas astral. Quand on sort, bien souvent, ça arrive régulièrement, il y a une projection aussi du mental qui fait que on est dans nos chambres, il fait noir. Déjà. Tu sors, il fait noir. Donc, si tu es dans l'obscurité et que les gens ont un peu peur de l'inconnu, la peur du noir, bah, tu te dis, oh là, je suis où Qu'est-ce qui va arriver En plus, si derrière, tu as entendu des histoires du bas astral, tu vas attirer encore plus ça. Donc, à la base, la cécité astrale, c'est que tu arrives et il se peut que ce sens euh, de la vue, hein, euh, en fait, c'est l'activité du lobe occipital qui est assez amoindrie, en réalité, dans l'observation scientifique. Mmh. À ce moment-là, bah, tu vois moins. Donc, je dis toujours dans les formations, je montre les techniques pour se focaliser sur les autres sens d'abord. D'accord. Le toucher. tout ce que tu peux toucher. Si, Essaye de sentir quelque chose. Tu dis, je vais essayer de sentir une rose. Je sais qu'à tel endroit, je sais pas, j'ai une fleur. Je la capte, je m'en fous de la voir ou pas. Je sais que je, je la sens dans ma main. Je la sens. Tu sens le parfum de C'est sûr que ce n'est pas le réflexe premier. Si tu peux manger. Le réflexe premier serait de voilà. voir. Si tu peux... Euh, voilà. C'est ça. parce que. Et pourtant, en sortie... Il y a, 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 a l'homonculus de Penfield, c'est un, une représentation de, des sensations, des perceptions qu'on a en sortie. Le sens le plus courant et le plus utilisé, c'est le mmh, toucher. Celui qu'on va utiliser pour, le plus pour approfondir et tout ça, avant la vue. Alors que dans la, le quotidien, la vue joue un rôle euh, euh, prédominant. Et donc derrière, euh, tu vas utiliser toutes, toutes ces techniques pour, euh, pour sortir. Donc si la vue n'est pas présente, pas de panique déjà, vous pouvez essayer de demander d'avoir la lumière. C'est une des premières choses avec l'intention forte. Bien souvent, ça arrive. Si ça n'arrive pas, pas de souci. Vous focalisez sur le reste. J'essaie de toucher à telle, telle ou telle chose. Puis après, il y a toutes les techniques. Je ne peux pas ouais. toutes les développer là, mais des techniques qu'on appelle de téléportation pour euh, se téléporter autre part, plonger dans le sol, passer à travers un mur, utiliser une porte. Même si tu sais que tu as une porte, tu ne la vois pas, tu passes au travers. Bien souvent, derrière ça se trouve euh, un, la lumière et, et tu passes l'expérience ouais. à un niveau beaucoup plus profond. D'un point de vue vibratoire et conscient, c'est ce que je dis. c'est tu emmènes à un niveau de conscience beaucoup plus élevé dans l'expérience. Parce que plus tu ressens, plus tu es conscient dans l'expérience, plus c'est magique et plus ce que tu vas créer, c'est très très fort. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que le, le vrai pouvoir, Serge Boul -Boul disait, bah c'est pas intéressant. Si tu as un vrai pouvoir là-dessus, tu vas pouvoir agir à, à, à un autre niveau. Mais il faut connaître toutes ces techniques. Mmh. Alors on continue avec Maïlis. Est-ce qu'il est qu pense que la modification des ondes vibratoires terrestres nous aide dans ces sorties astrales je pense que oui, la, 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 je pense à la résonance de Schumann, ouais. par exemple. Je pense à euh, tout ça, effectivement. On est tous. Euh, tu, connais, tu connais cette, cette expérience des, des métronomes Qui euh, se retrouvent. Ah euh, à, à, oui, à, Voilà, c'est-à-dire à les métronomes jouent à un rythme totalement voilà, ouais. et différent. et se synchronisent hein. Et, et ouais. se synchronisent tous. Et euh, vous pouvez taper plus tard, après le live, pas maintenant, ouais. sinon, là, vous ah allez non, non, quitter le live, là. mais après, <laughs> tout après Métronome euh, ouais, Experience, c est, c est par bien, exemple, ça. vous verrez. Et je vais en parler, tu vas comprendre pourquoi. Ces métronomes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas synchronisés au départ, ils sont pas synchrones. Et ils finissent par se synchroniser. Et tous les métronomes de la pièce, euh, pas de la pièce, ouais. ils sont posés sur un même support, mmh. se synchronisent. Donc, ils prennent la vibration liée au support entre eux et communiquent via le support par la vibration et ils se synchronisent à une même fréquence, à une même vibration, à une même fréquence. Donc, on est tous sur cette terre. Et cette terre aujourd'hui, on est capable de mesurer qu'elle a aussi euh, une forme de fréquence, cette euh, résonance. On parle des résonances de Schumann. Elle varie, euh, elle varie euh, en fonction des activités électromagnétiques qu'il va y avoir aussi dans le cosmos. Et puis aussi, lors, par exemple, de méditation mondiale qui va y avoir. Euh, on, remar on remarque. Par exemple, on en avait fait une avec mon frère. D'ailleurs, on a une autre le 21 demain. D'ailleurs, méditation mondiale. Euh, la à la dernière, on avait vu que la, la résonance de Schumann publiée ce jour-là. On n'était pas les seuls à faire des méditations mondiales, elle avait, elle était montée euh, considérablement. Et en fait, indirectement, tout le monde bénéficie ou pas hein, de cette vibration. Et c'est ce qui fait que on va parler même tout simplement de, des pleines lunes et des euh, nouvelles lunes, qui euh, qui ne ressent pas quelque chose de particulier au moment du sommeil lors d'une pleine lune. Il y en a beaucoup, je veux dire, il y a un, un sacré pourcentage de personnes qui ont des nuits parfois perturbées ou autres. Il y a un début d'étude qui a été faite, elle n'est pas finie euh, parce qu'il n'y a pas encore assez de données. Mais Michael Moradouga me disait que euh, justement, de ce qu'il a recueilli, les soirs de pleine lune, on remarque principalement chez les hommes, alors pourquoi les hommes ça, Je, je n'ai aucune idée. Euh, principalement les hommes font plus facilement des sorties les, euh, à ce moment-là. Il faut savoir que de manière générale, ça aussi, il y a autre chose, les femmes statistiquement font plus de sorties hors du corps que les hommes. Et ça, est-ce que c'est lié à l'activité de l'hémisphère droit du cerveau, l'aspect créatif mmh. Enfin, une partie, tu vois, liée à l'artistique et tout ça euh, Parce que, tu vois, quand tu es en sortie, l'esprit analytique est beaucoup plus inhibé. Hein. C'est plus dur d'analyser de la même manière euh, euh, en gardant le fonctionnement purement terrestre. Donc, euh, mmh. c'est très intéressant ah, tu vois, à noter. Donc, la vibration, effectivement, euh, si on est... C'est hyper courant, tu dans une salle, il y a plein de gens qui méditent en même temps... Je sens que tu ne médites pas comme tu fais d'habitude, tu ressens cet égrégore d'énergie et il y a des gens qui disent ⁇ Ah ben bah, je sors ⁇ Je pense aux expériences aussi de TCH du docteur Jean-Jacques Charbonnier et les, les personnes sous état d'hypnose aussi, à, voilà, avec des sons. Il y a des tas de personnes qui vivent des expériences comme ça. Par contre, après, tout est une histoire d'encadrement, j'en ai pas fait. Il faut que ça reste bien encadré, que les gens soient conscients de ce qui, peut, ce qui les attend derrière aussi. L'intention de départ est importante. Mmh. Bon, d'ailleurs, même, même dans les églises, les églises, des fois, quand on... Quand, quand les gens prient, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. on sent, sent l'égrégore quand même. Totalement. Déjà, il y a l'égrégore de l'énergie. Et en plus, si, si uh, cette église est, est, est placée sur une ligne de lait, sur un point énergétique de la terre, un ancien site celte qui avait connaissance mmh. de ces courants énergétiques sur la terre, bah là, tu vois, tu sais es, que tu n'étais pas dans n'importe quel lieu. Et, et voilà, ces, ces personnes, les personnes utilisaient à l'époque voilà, les passages dans les églises, il y avait. Un aspect méditatif que tu devais vivre. Pour ça, un parcours que tu parcours dans ces églises, il y avait une raison, il y avait un sens, il y avait tout mmh. ça. Hein. Et euh, tu montes en vibration. Voilà. Aujourd'hui, euh, ce qu'on peut mesurer, c'est les champs électromagnétiques. Les... On c'est ce on mesurable, tout simplement. Ah, qui est mesurable ah. pour l'instant avec les outils actuels. Et encore une fois, hein, je dis tout ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas mesurable. Exactement. <laughs> L'inexpliqué ou le paranormal d'aujourd'hui, euh, bah, sûrement voilà. la science de demain, Ça. mais on ne vous demande Exactement. pas d'y croire. Alors, la dernière question maintenant, euh, ben, tout à l'heure, je te l'avais posé euh, s'il y avait des, des lois dans l'astral. Euh, Isazen demande est-ce qu'il y a des portes qui nous sont refusées Les portes refusées sont celles euh... il y a deux sens, il y a à la fois nos, nos, nos croyances limitantes qui nous empêchent de vivre certaines expériences. Euh... Notre état vibratoire, nos peurs qui vont nous retenir. Hein, euh, clairement, c'est un mécanisme de protection. Si tu n'es pas prêt à avoir telle ou telle chose, à faire telle ou telle chose, si tu n'as euh, voilà, pas traversé cette étape, c'est comme à l'école, bah, tu repasses l'examen. Tu repasses l'examen jusqu'à ce que tu les transmuté. Euh, moi, un des événements qui m'a qui aidé à vivre plein de sorties du corps d'un coup, c'est quand j'avais réalisé et j'ai fait mes premières sorties délibérées. J'ai fait ce test de l'interrupteur. Mmh. J'ai appuyé sur l'interrupteur, j'ai vu qu'il s'allumait pas. Mais quand j'étais enfant, je n'avais pas conscience de ces tests là. Donc pour moi, qui ne savais pas que j'étais en, un... je savais que j'étais un, je vivais pas un cauchemar. Je vivais l'expérience d'un point de vue sensoriel totalement euh, comme réel. Mais j'allumais toutes les interrupteurs de, de chez moi, ça s'allumait pas. Donc en ayant conscience, en ayant juste euh, lu ce témoignage que ça existait, ce test là, ben voilà, ça a transmuté une de mes peurs. Donc encore une fois, voilà, les limites, il y a nos peurs, nos croyances limitantes. Et ensuite, notre état vibratoire. Si tu es quelqu'un de nature très matérialiste, voilà, tu vas pas spontanément, tu vas pas dire je vais chercher à rencontrer un guide ou un ange. Et ensuite, après, il y a aussi dans l'autre sens. Et ça ça dépend des croyances de chacun. Là, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je crois qu'effectivement, il y a aussi euh, cet aspect-là. Quand on est prêt parfois ou quand on ouvre un certain canal, euh, on peut, on dit, hein, on dit que par exemple un, ça peut être un archange, tu vois, les archanges au niveau de la hiérarchie des anges sont au dessus et euh, ils vont devoir descendre en termes de vibration, en termes d'énergie pour pouvoir se retrouver sur le même plan que nous et pouvoir communiquer avec nous. Mmh. J'ai dis bien on dit parce que je laisse chacun se faire son avis, mais euh, voilà, si vous voulez le mien, je pense qu'effectivement ça marche dans les deux sens. Il y a aussi de mmh. ça. Tu n'es pas le premier à me dire Quand ça. Petit, hein. Voilà. Quand j'étais petit, n'avais pas euh, créé de manière consciente les intentions de vivre, d'avoir telle information, de rencontrer tel défunt, de rencontrer tel ange. Un ange une fois qu'il est venu me chercher et m'envoler dans le ciel, tu vois, euh, je me sentais une liberté absolue, un amour inconditionnel très très fort, tu vois. Mais ça, je n'avais pas demandé. J'avais demandé à faire une sorte, euh, un rêve lucide au début. Hein, C'est un rêve lucide. Je n'avais pas demandé à vivre ça. Et là, tu te un dis, bah, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je l'ai vécu uh -huh. C'est un cadeau. Donc euh, voilà. <laughs> bon, écoute, merci Romain. Hein. Voilà. Avec grand plaisir. Pas. Hein. Non, moi je me suis régalé. J'espère que, ben, je pense, j'en suis sûr même, que toutes les personnes qui ont suivi euh, toutes les missions euh, se sont régalées aussi. Alors, euh, euh... Alors n'hésitez pas à vous abonner évidemment à On ne vous demande pas d'y croire et puis aussi à Gaïa Méditation. Euh... Et c'est pas déjà fait, bien sûr. <rire> <rire> je suis sûr qu'ils l'ont fait là. Et puis. Euh... Ouais, et bien, en plus, je crois qu'il y a une promotion en plus sur tes. Tes, tes formations. Oui, bah, hein. je le dis pour les, personnes que, voilà, pour les personnes que ça intéresse, qui veulent creuser un peu plus ce sujet ou qui connaissent, hein, vous connaissez sûrement autour de vous des personnes qui vivent la paralysie du sommeil ou qui vivent des sorties non délibérées et qui aimeraient pouvoir. Contrôler plus facilement ce qui leur arrive. Et si même vous, vous avez, si de votre côté vous vous sentez prêt, vous avez envie d'explorer euh, la sortie du corps. Donc il y a la formation. Euh, je ne sais pas si oui, tu as oui, mis là, le lien quelque part. Voilà. Voilà. Vous pouvez le retrouver. Et il y a une promotion en cours jusqu'à lundi. Elle était déjà, en, elle a été mise en place il y a, déjà il y, a, il y a quelques jours. Et donc elle est en cours jusqu'à voilà. lundi. Il a, vous pouvez guetter l'offre. Ça reste une offre très intéressante. lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez, vous pouvez aller voir de suite. Alors voilà. Mais il y a de tout, hein. y a, encore une ouais. fois, je leur dis, au-delà des vidéos, il y a les exercices, les exercices guidés, les méditations, parce que je fais une nuance entre ouais. les exercices guidés oraux et les méditations, des musiques subliminales aussi pour aider à, 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 à programmer le subconscient à accepter cette idée de, de voyage si on a envie de le faire. Donc des fois, c'est les blocages inconscients qu'on débloque comme ça. Et il y a aussi donc, euh, les fameuses techniques d'induction euh, très rapides euh, avec les méthodes qui correspondent et surtout derrière les webinaires, euh, dont mmh. le premier sera samedi justement, donc euh, il n'y en aura pas avant plusieurs mois, hein, parce que j'en je, fais que quelques-uns dans l'année, et ça c'est des, des échanges en visio, donc gratuits pour les membres de la formation, où on échange là-dessus, on analyse les tentatives de chacun, <coughs> et surtout on se nourrit des expériences des uns mmh. et des autres, et des erreurs, on voit les erreurs que chacun font, et, euh, et on apprend de, des erreurs ouais, de chacun. le suivi dont on parlait tout à l'heure ça. Le FAQ euh, du voyage astral. Ça. Alors quelques petites infos maintenant. Euh, alors si vous voulez plus loin dans la libération de vos blocages émotionnels, euh, transgénérationnel attention la libération de vos blocages émotionnels transgénérationnel il reste quelques places pour l'atelier de manuela qui se déroulera le 1er juin et c'est par zoom alors manuela travaillera à recevoir vos messages de vos générations passées afin de constituer votre arbre généalogique émotionnel avec lequel vous repartirez et bien sûr, le 2 juin, je vais encore mettre le générique. C'est le premier grand atelier de l'impossible avec quatre clairvoyants Marine Anton, Alexandra, Manuela Perret et Sébastien Sochard. Je mets le petit générique. Voilà, euh, Romain, je te laisse le mot de la fin, si juste pour dire un petit au revoir ou faire un petit bisou à la communauté de ne pas y croire. Déjà, merci, merci à, à toi pour, pour cet échange, pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui, qui nous ont suivis ce soir. Merci à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Euh, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions déjà très très intéressantes. Et c'est grâce aux questions. Grâce au questionnement, je disais tout à l'heure, c'est important de se questionner, qu'on va avancer tous ensemble euh, dans cette euh, recherche sur les états modifiés de conscience non ordinaire. Hein, plus de 90% de la population, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 90% de la population, c'est pas rien, a déjà vécu l'un de ces états modifiés de conscience non ordinaire. Que ce soit le rêve lucide, la paralysie du sommeil, la sortie du corps, euh, les expériences de mort imminente, les faux réveils, donc c'est ah oui. énorme. Et, et effectivement, si on passe plus d'un tiers de notre vie à dormir. Il se passe de, tout un tas de choses dont on n'est pas forcément conscient. Donc aujourd'hui, si vous voulez creuser le sujet plus loin, si vous sentez, hein, il ne faut pas juste se forcer à le faire, mais si vous sentez qu'il y a une voie à explorer là-dessus, prenez le temps de, de vous renseigner, voilà, de, de regarder tout ça. Et après, une fois que vous, vous sentez prêt, prenez conscience du pouvoir créateur. De votre pouvoir créateur, que vous allez pouvoir, comme moi et comme beaucoup d'autres l'ont fait, euh, ouvrir des, des chemins, ouvrir des chemins qui étaient jusqu'à présent soit cachés, soit masqués par d'autres choses, par le voile de l'illusion et de l'ego. Et vous allez pouvoir creuser ce chemin, avancer petit à petit vers, vers un, un éveil de soi, un, un, vous trouver vous-même. quoi. Voilà, c'est ça. En ta passion est communicative, Donc, Romain. Ah, bah, merci à toi, mais c'est vrai, bah, c'est vrai que c'est communicatif. Maintenant, je consacre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tout ça, à bah, toutes les vidéos, et je continuerai de le faire avec grand plaisir. Et tu le fais très le bien. Plus longtemps possible. Bah, merci beaucoup, et merci à tous. Je vous embrasse. Merci.